Et bonjour et bienvenue User à joined your tous. channel. C'est mon TeamSpeak, mais bon. Installez-vous tranquillement et confortablement sur live de qualité, évidemment. Le son speak, voilà. Et on va aller voir un petit peu qui c'est qui est en service. Vrai dossier aussi. Eh Laissez. bonsoir, comment ça? Eh bonsoir, capitaine. T'as trois flics pour moi, c'est bon, c'est caviar. Et le capitaine en prime. Hein, le putain d'un bus. Tout passe bien aujourd'hui, c'est bon? Parfaitement. Régal. Donc, ça remonte. Vous avez la date exacte? Mec, tu m'as cassé les couilles. Ah non, attendez, j'ai un autre truc en service moi. Et changer ma tenue. Reprendre la bonne vieille tenue avant. Avant de sucer de voiture. Je vais appeler Stelly, après je vais demander si il reprend une agriateur. Tenue. Un petit peu les tenues. Enfin. Mon ancienne tenue avant. Sinon, c'est un peu long de tout refaire. Un petit peu long de tout refaire. Non, alors... Bonsoir. Hey, bonsoir. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Faut que je retire la cravate, ça sera pas mal. Je retire la cravate. Je retire le chapeau. C'est ça que j'avais avant. Ah si, lors de mon recrutement, le j'ai cette tenue là, mais...
Ah. Non, c'est pas ça. On y est presque. Voilà, impeccable. Impeccable. J'ai rien équipé comme d'habitude, le téléphone, le pistolet, route, ça, de toute façon, je ça juste après. Message. Je s'en va. Est-ce que j'ai casté ou pas le téléphone? ABC. Merde. Directement y aller. On va faire un peu de place dans le garage. Alors, je vais vérifier s'il n'y a rien dedans aussi. Ça l'arrive, je vais essayer quelque chose. Y'a rien. Thank you.
C'est pas mal ça comme véhicule, c'est sympathique. Oui, l'OT service. Eh, l'OT service, comment ça va? Ça va, nickel. L'OT service. Vous avez changé de numéro ou pas? Parce que j'ai essayé de vous joindre, impossible de vous joindre tous les deux. Ah, moi? Oui. Hein? Non, ah, j'ai pas eu d'appel. 99-17, moi toujours. 0905. Bah, ça me dit. Ah, je. Ouais, non, mais c'est pas grave, je sais pas si ça veut être aux États-Unis que ça a le plus fonctionné. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Ouais. Ouais, du coup, je viens me séparer de ceci. Oh. Ah, ouais. Ok, c'est ça, c'est quoi, télégateur? Ouais, télégateur, effectivement. Ah, okay. Intéressant. Attends, je vais pousser le verrou du coup. Ouais, là, yes. En plus, je sais que l'autre coup j'étais unicorn, il y en a qui j'en cherche. Ouais, bon, c'est sympa hein, comme véhicule. Hein. Ouais, c'est sympathique, mais j'ai trop de véhicules et puis. Je vais séparer de pas mal de véhicules. Bon, je commence par ça là, puis après je verrai laquelle. Là, j'avais 11 véhicules dans mon garage. Donc, je peux évacuer. J'avoue que 11, ça commence à faire un bon petit effectivement. Stock. Non, non, moi j'aime bien cette voiture parce que c'est pas très très cher et ça a de la gueule. Effectivement, effectivement. C'est plutôt sympa, c'est une belle berline. En tout cas, je vois que vous avez des beaux modèles là. Ouais, on a du beau véhicule là. Ouais. On a du beau véhicule en ce moment. Ça va du coup un peu les affaires là, ça repart ou quoi? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Tant mieux. C'est correct. Tant mieux. Oh putain, j'en pouvais plus. Bah du coup, t'as vu pour le prix ou pas? Non, mais Tailgater c'est 4008 qu'on reprend, ça il me semble. Ouais, ça me dit quelque chose. Merde. Je vérifie. Je vais mettre en radio. Ouais, le Tailgater c'est 4008, ouais. Votre prendre. Ça vous va? Oh oui. Bah écoutez, avancez là à l'intérieur et puis on va faire échapper. J'ai même pour combien coûte celle-là de base, donc. J'ai pas acheté cher, hein. Je crois que j'ai acheté 5000 ou 6000. 5000, je crois. Est-ce qu'on a rentré, il n'y a pas de demande sur le fichier, t'as vérifié? Non, bah, pas spécialement. Sultan non. Sultan non, Evron non plus. Et Akuma non plus non. Par contre l'Akuma va l'essayer, tu vois. Ah bah oui, ça doit être une folie, ouais. Ah bah oui, c'est pas par rapport à quand on l'avait vendu, celle d'origine. C'est autre chose. Ouais, j'imagine. Eh bah on va aller faire les papiers, suivez-moi. Ouais. Ok, niveau moteur c'est d'origine. Et tout est d'origine. Ok, pas de soucis. Je vais vous prendre la plaque. Ouais. Alors, c'est 89ERL538. Ok. Donc, une petite signature ici, s'il vous plaît. Ouais. Câble là. Tac, voilà l'argent. Ah, j'ai récupéré les clés. Impeccable. Je vous appelle un taxi? Oui, tant qu'à faire. Eh bonjour Momo, ça va? Hop, quelqu'un arrive, c'est gratuit. Hein, eh bah, impeccable. Tac, je vais rentrer vite fait. J'appelle le sergent directement, voir un petit peu. Un petit peu.
ça travaille. J'espère que ça va, Momo. J'espère que tu vas bien. J'ai pas plaisir et plaisir de service. Ouais. Et bonsoir. Et bonsoir. Bon. Je suis en retard, du coup, avec l'Amulator One, je vais prendre le sud. Bien pris pour la 3, nous on va où elle est chercher. C'est quoi la blanche là? Mother? Némésis. Ah, Némésis, mais. Ah, c'est bien ça, c'est pas cher, c'est cool. Bon, j'ai acheté le. Pele. Bon, est-ce que toi, capitaine, vous êtes franchi? Mais c'était pas le but. Ah, ouais, non, mais je voulais savoir si tu travaillais. Ah, bah, je suis là en service avec le. Ah, avec le AKD, le Rex nouveau là. Ok, ok. Bah tu expliques tout bien, hein, le oui, machin. On est dans une zone là où il y a du trafic apparemment, on arrive sur place, on a 500 mètres. J'ai mon taxi, ouais, attends, je monte dans mon taxi. Ouais, bah écoute ça, et puis tu expliques bien le l'intranet aussi. Eh bonjour. Pour l'instant, on s'en reparle. Ouais, les speedy s'il vous plaît. Ouais, oui, tu disais. L'intranet il l'a pas pour l'instant. Eh, il l'a pas encore. Ah bah je pensais que le lieutenant Stanford l'avait fait, mais J'ai un numéro à te passer pour un recrutement que j'ai fait tout à l'heure là, juste voir si tu veux le prendre ou pas, mais bon dans le fond c'était pas mauvais pour rien, tu vois. Ah ouais. Non, ça me met quelqu'un d'assez cohérent, mais disons que les situations, il m'a fait de la grille, mais c'est pas grave. Ok, ok, bah écoute, convoque-le, j'arrive d'ici 10 minutes au... Faudra 5 minutes au bureau. Donc... Ok, ça va, ça s'appelle. Convoque et puis je vais arriver, je vais directement. Bah écoute, moi ça va bien, moi ça va bien, merci. Ah bah y'a... Bon bah à tout à l'heure, hein. Ah mais ça va. Ah là là. Bon, comment vous allez vous allez? Eh bien vous. Trop bon coup de moi, ça peut aller. Comme oui, comme d'habitude il pleut de toute façon. Pour la saison des tempêtes tropicales et compagnie. Donc... Bon, bah, j'ai l'impression que la saison des tempêtes c'est toute l'année, mais... Quoique cet été on a eu quand même 2 semaines où il a pas plu. Hein. Ça doit bien être un miracle je pense 2 semaines. Je crois, ouais. Mais ouais, non, là, c'est vrai que le temps c'est pas ça, ouais. Bien. Bon, comment ça va chez le taxi? Ça va pas trop de merde? Ah, nickel. Ok. Tiens, voilà. Ça va, tout ça, vous fait pas trop chier? Oh non, bien loin de là. Tant mieux. Ouais, il est très content, donc. C'est sympathique comme véhicule, c'est quoi ça? Ouais, c'est le Safter V12 ZWB. D'accord, ça fait un... C'est confortable l'arrière en tout cas. Oh oui, vous avez de la place. Ouais, effectivement. Je m'en propre comme véhicule. Il y a combien j'ai sur moi pour le prendre pas. Je vais donner $200 de plus. Là ça roule doucement, hein. Ça roule doucement, le capitaine du Lespi dans le véhicule. Là.
D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez du l'agrandissement du commissariat comme ça, l'étage qui a été fait? Bah, j'étais sceptique au début là avec ces panneaux publicitaires pour cacher, mais ça rend pas si mal en fait. Ça rend pas si mal. Bon, tant mieux. Puis j'ai entendu dire que c'était un centre d'entraînement d'après monsieur Strauss. Ouais, c'est surtout tout ce qui est communication. C'est terminé, je prends une communication avec les agents sur le terrain, on améliore un petit peu le système satellite et compagnie quoi. Okay. C'est surtout pour de la bureautique, l'informatique. Voilà quoi. C'est vous qui avez fait construire ça, hein? Qui avait eu l'idée? Non, je crois que ça vient du capitaine Toussaint à l'époque. Il a dû mettre ça dans les papiers, puis tant que ça se fasse. Okay. Et entre les différents maires et compagnie. Ouais, ça va, c'est pas choquant comparé au début pendant les travaux, mais ça rend pas mal. Effectivement. Ah bah écoutez, bah merci. Hein. Merci à vous. Et puis ça vous coûte rien vu que c'est pour ça. Bah du coup, effectivement. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis. Bah merci vous aussi. Eh bah merci. Au revoir. Au revoir. Faut que j'aille voir si. Bah non, j'ai plus de vie. Lieutenant Stark a toutes les unités, on a monsieur Philippe Liège qui va arriver au commissariat, il a une amende de $500 à régler. Ok, perdu, bah je suis au poste déjà. Ok, bah il va retirer l'argent, il va arriver. 500 balles pour excès de vitesse et non-respect d'infrarouge. Ok, bien pris. Dossier judiciaire, faut que je regarde un truc aussi. Judiciaire, c'était qui? Mandat à un mec. C'est pas lui. Il y a un mec que j'ai amendé un coup. Je me souviens plus. Ah, c'est lui. Enter machin. Capitaine Delphar, je fais service. Bonsoir. Allez, aussi, capitaine. Pour information, j'ai monsieur Hunter Walton Jones JR qui doit payer une amende de $2 avant la fin du mois. Directement, je crois qu'il travaille au Unicorn. Si vous y passez, que vous croisez. J'ai pensé au Unicorn, du coup, j'ai pensé à Tours le faire raquer. Ah bah, très bien. C'est $1000 pour vol de véhicule. Hein. Merci pour le follow. Attendez, je vois plus. Les amendes sous les yeux. Merci pour le follow. Je ne sais pas comment ça se prononce. Quen peut-être. Quen. Donc, Quent. Quent. Bah non, c'est... oui. C'est... C'est Kawet, Kawet, c'est Kawet. Oui, oui, sur le stream de Watson. Mais oui, évidemment. C'est moi qui du lag. J'ai du lag dans mon cerveau, excusez-moi. Bonsoir. Bah merci à toi. Eh bonjour. C'est bonjour. J'ai une amende à payer. Oui, alors, c'était... Juste à l'instant, le lieutenant Stark vient de passer... il vient de passer le message en radio apparemment. Ah oui, bah je viens de prendre mon service. Bah super. Monsieur Liège. Coup, ah voilà, payé. Exactement. Bonsoir, ouais, j'ai le lieutenant Stark qui m'a averti. Excellent. Justement, voilà, je. Merci. Comme ça, c'est fait. C'est ouais, fait. Ok, pas de problème. Pour excès de vitesse, c'est feu et rouge, j'imagine. Respect d'un feu rouge. Ok, attendez. Exactement. Et puis je lui ai dit que je comprenais bien, hein, parce qu'il y a. De toute façon, il n'y avait pas. Il n'y avait pas à négocier, et puis voilà. Bah d'ailleurs, vous tombez bien que soyez là, que je vous parle dans le bureau après. Bah écoutez, sans problème. Vous êtes monsieur ? Lieutenant Désiré. Sortir mon voiture, moi. Sortir ma voiture en 4. C'est étonnant que Kiro soit là. Sur l'amulator 2, là.
quand le Star chauffe quoi, c'est une petite chose en fait. D'ailleurs, il a pas laissé l'amulateur de... l'amulateur devant. Agent Pico, poste technique de une demi-heure. C'est écrit poste technique. Allez, rentre Pico. Pas de patrouille, Yuan, pied à terre au Unicorn. Lieutenant Stark, je prends une pause, mon service également. Bien reçu. Ok, bon, voyons voir, qu'est-ce que j'ai à faire. Ah oui, j'ai l'autre là qui va être recruté. L'autre qui va être recruté, je vais regarder la moula qu'on a au coffre. Ah, bah, GG du coup. Merci à toi, dans 220ème personne. Non, 219. Étrange. 219. Regardez avec le téléphone directement parce que. Merde totalement. Et 220, 200 effectivement, parce que c'est l'appli sur ordi qui bug. Eh ben merci à toi, tu as 220ème personne. Kawette du coup. Excellent tout ça. Le pognon, les effets. J'aime bien, j'étais à 5, là il y a le truc de la map en voilà. Bah le pognon a augmenté, donc vous lisez nos employés, c'est ce que je faisais hier, Russo il est là, lui il est là, lui il est là, lui on va le recruter, on va le recruter, John Torrance, Rex un nouveau, le youtubeur. Sunfox, 8, Paynton, Gary Maverick, Thomas Vacentris, Marc Dauvergne, Oliver Schwaren, Tony Jefferson, ça ne dit rien. Pearson, Pearson est encore chez nous? Non, Pearson a démissionné, je crois. Pearson a démissionné. Hein. Marc Moreno, qui c'est lui? Dans les dossiers. Oh là. 26, on est pour 26, hein. Ça je peux vous le dire. Les dossiers sont mis à jour ici. Nous sommes 20. Moins Gary qui compte pas, parce que Gary compte pas. Il y a 25 sur le machin, il en manque 5. 5 qui sont pas référencés. Amel Savi. Amel Savi. Je sais pas. Qui c'est ? Je vois avec le lieu. Je vois avec le lieu. Ça. De GTA 5, on peut faire du RP sur GTA sur PS4, je le savais pas. Je savais pas du tout. Le lieutenant désirait à toutes les unités pour rappel, quand vous êtes concerné sur un dépôt de plainte, merci de ne pas prendre le dépôt de plainte.
suis en train de faire le tri là. Hein. Je suis en train de rappeler tout le monde et tout. Là, je m'occupe des. Ouais, ouais, je suis en train de faire le tri dans les effectifs. Marc Moreno, ça dit un truc. Rien du tout. Et Pearson, il est plus là. Pearson, non. Ok, bon, bah, je vais virer lui. Bonsoir. Eh, bonsoir. Bah, bonsoir, Kédé. Est-ce que mon message était bien reçu par tout le monde? Ouais, reçu, les gars. C'est de l'âge légère. Je sais pas si on est quel jour. C'est déjà mercredi, je crois que j'ai pas payé mes. Je sais même pas qui c'est qui doit payer Davis. Pas la moindre idée. KD Seco, poste de 30 minutes. Seco. Ouais, bien pris. Encore simple ça, c'est nous. Encore simple ça, messieurs les noms. Hein. Alors. Liste de nos employés, Pearson, licencié. Liste de employés, Marc Mo, licencié. Bien, quasiment bon. Et trouve les quatre qui manquent. Torrance, John Torrance. Je sais pas s'il est encore là. À tous, est-ce que vous avez vu monsieur John Torrance récemment, le cadet du LSPJ? Négatif. Eh bien pris. Du coup de phare, c'est bon, on t'aura payé. Hein. Eh bien pris. John Torrance, ça dégage. Et ça a payé, c'est tombé. La vraie qui compte pas, donc c'est bien qu'ils font encore deux qui sont pas dans la liste. Ils ne sont pas dans la liste. Regardez, tu l'as perdu. J'ai un. Oh là, qui doit être recruté, ça va. Là, il y avait, comment il s'appelle? Un truc. Truel là, il s'appelle. Truel. Ah, Truel. Yeah. Et là, l'autre coup. Non, il est plus là. Vivant qu'il y ait le nouveau Comic Con, soit qu'on se perde encore, qu'on se paume encore plus dans le Comic Con, parce qu'apparemment c'est immense ce nouveau. Si c'est bien celui que je pense, ça va être une chose. Ouais, il est toujours pas passé l'autre gamin là. Il est quoi, c'est ces conneries? Ah, il est toujours pas là quoi. Et quel fils de pute? Ah ouais, ou alors c'est l'autre trou du cul qui est garé dans sa bagnole devant. Oh bah je pense pas, il est pas con. Ouais, il est venu avec une empereur blanche le mec tout à l'heure là. Ah là j'ai une empereur blanche, ouais une empereur blanche. Le capitaine est disponible pour James. Bah écoute, tu l'appelles, tu dis qu'il se bouge le cul. Bah oui, je vais dire qu'il. Ouais, je suis disponible. Sinon, Ok, il y a monsieur Ethan Thatcher qui est devant le commissariat. Ah bah voilà, c'est lui. Oh bah j'arrive. Eh bah voilà, c'est nickel. La bise hein. Ouais ouais ouais. Non mais où? Un toucher. Personne de Hollywood derrière moi. La drogue en coup. C'est. Ça passe à l'autre bout de la ville. Bonsoir. Eh bonsoir.
C'est vous le capitaine ? Affirmatif, capitaine Delforge, vous êtes ? Je suis Ethan Thatcher, enchanté. Ah d'accord, d'accord, bah très bien. Ouais, très... Pas de patrouille, One. Un. Ouais. On décolle en direction de la drogue. Eh bien pris. Ouais, oui, du coup, on m'a transmis votre dossier. Vous êtes prêt à signer ce soir, là ? Totalement. Ah bah très bien. Je suis là pour ça. Écoutez, fait pas assez locaux là, hein. On va avoir bientôt avoir des travaux. Ouais, ça a un peu changé. Dis, c'est un sacré labyrinthe quand même. Ouais, bah je crois que dès qu'on aura une rénovation de l'intérieur des locaux, ça va être pire que ça. D'accord, je vois le genre. Bien. Bien. Bah, écoutez, mettez-vous juste ici. Signez le billet qui est juste là. Nom, voilà. Prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, personne à prévenir en cas de décès. Est-ce que. Je fais tout ça. D'accord, c'est une semaine à jour ça. Personne à joindre, il n'y a pas vraiment de gens. Hop, tout est bon. Impeccable, je mets ça dans le scanner. Et c'est parti. Très bien, bienvenue chez nous. Bienvenue chez, vous, du coup, maintenant. Bon, je vais vous montrer un petit peu le commissariat, les tenues, les news, je vais vous équiper. Et puis voilà, du coup, l'étage ici. L'étage ici, donc mon bureau. Donc, à part le lieutenant qui peut y rentrer, c'est tout. Je suis pas là. Là, mes toilettes. Donc à part lieutenant et moi-même, c'est tout. S'il y a quelqu'un d'accord. D'autre en dessous de ce grade-là, bah il retourne à plein emploi. Cette photocopieuse, si vous en imprimez quelque chose. Bureau du lieutenant Stark, ici. Stark. Donc voilà. Ah, pas ce soir. Ici, salle de briefing, salle de meeting. D'accord. C'est ici qu'il faut venir et toujours par cette porte là pour tout ce qui est agent, sergent, cadet. D'accord. Du coup, cette porte là, bureau des inspecteurs et la porte là-bas, bureau du lieutenant Stanford ainsi que du lieutenant Désiré. D'accord. Ça va être dur à retenir, mais ça va le faire. Oui, bah surtout que ça va changer donc. Là, c'est le placard à balai. Escalier pour monter sur le toit ou descendre en bas directement. Ok. Bureau des sergents. Ils sont ok. Sur le terrain. Voilà. Et ici, bureau des cadets des agents. Des cadets des agents. Que vous avez le droit au magnifique open space avec vue voilà. Sur la route. Voilà. Parfait. Incroyable. Ouais, effectivement. Donc voilà. Avec pareil, imprimante, hein, et compagnie, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Il y a un petit balcon en face là-bas si vous souhaitez. Ouais. On y pose l'op. Hein. Bon, du coup, ici accueil avec Teresa. Un bureau ici pour prendre les plaintes quand il n'y a plus de place en haut. D'accord. Normalement en tant qu'agent, s'il n'y a plus de place en vous pouvez rester ici. Après donc ici l'armurerie, on verra juste après. D'accord. Voilà, hop le vestiaire, donc ça va du triple XS au triple XL, donc là aussi il y a une taille qui vous va. Je regarde ça. Merde, qui connaît, ça fait 40 minutes que je suis là. C'est parfait pour moi. Ah bah c'est joli, c'est sympathique, c'est magnifique, impeccable. Eh bonsoir. Bien, du coup. Comme vous pouvez le voir ici, donc les toilettes, salle de bain, donc douche homme à droite, douche homme à gauche, et salle de bain, tout au fond, enfin, des toilettes tout au fond. Attends, vous avez dit douche homme à droite et douche homme à gauche, donc non, douche homme à droite et douche femme à gauche. D'accord, parfait. Salle de pause, vous pourrez regarder. Le temps désiré à tous les cadets, j'ai qui 9-1, machin, section spéciale.
tout ça, tout Police ça. Academy et compagnie. Et juste ici, là, il y a une Magic Terrace aussi pour prendre post-clope ou post-secours. Voilà, avec vue sur le parking qui est Magic. Ils ont oublié, là. Vous apprendrez à lire l'intranet. Ceux qui n'ont pas accès encore à l'intranet, faudra faire un ticket postal pour qu'on vous donne accès. Ah, qui m'envoie tout ça à moi directement, et puis... Merde. Ici l'armurerie. Armurerie, vous pourrez trouver tout le matériel qu'il faut. On ira, on checkera après parce que j'ai encore du matos en bas. Ici, d'accord, vous pouvez récupérer du coup par balle, munitions. Donc quand vous achetez des, j'ai directement des chargeurs. Hein. C'est pas une balle par une balle. C'est d'accord, un chargeur que vous achetez. Que vous achetez. Donc c'est marqué pistolet, mais en réalité c'était un pistolet de combat. C'est pas pourquoi l'armurier. Juste pistolet sur le catalogue. Le pistolet MK2, il faut pas y toucher, sinon c'est pareil, c'est pour l'emploi. L'M4, c'est pas pour tout de suite, une fois que vous serez passé agent, vous aurez une formation. D'accord. Et puis voilà. Après, vous pouvez acheter à l'armurerie, vous pouvez acheter à l'armurerie une amélioration de chargeur et une lampe torche pour mettre en arme si vous souhaitez. Par contre, je n'ai pas encore le permis de port d'armes, donc je sais pas. Ah bah, il est directement, je... il est directement donné une fois passé cadet. D'accord. Parce qu'il y a quand même une session tir qui sera juste après lui. Parfait, parfait. Bon, vous allez voir un petit peu comment tire. C'est bien, au moins ça travaille les gens à force de se voir. Effectivement, effectivement. Du coup, ici, là, il m'effique vite sans teint. Donc, comme ça, la personne qui est derrière, vous pouvez aligner 3-4 personnes. Et comme ça, le témoin peut regarder et sélectionner les personnes qui l'agressent. Un classique, d'accord. Et juste sur la gauche pour faire les photos, donc pour rentrer par le porche. Et... D'accord. Donc là, donc voilà. Ici, une salle de briefing d'urgence en cas de pépin. Par les d'accord, officiers qui vont l'utiliser. C'est... D'accord. Ouais. Ici, un bureau pour le moment qui ne sert à rien. Et d'accord, après, salle médicale hein, pour tout ce qui est blessure et autres, des personnes interpellées. Ça va, parfait. Donc voilà. Et bonsoir Tristan. Du coup ici, petit bureau, comme ça dès que vous interpellez quelqu'un, vous le laissez quelques minutes en cellule, vous venez ici, vérifier son casier judiciaire, regardez si son PPA qu'il a, c'est un vrai, pareil pour cette carte d'identité. D'accord. Donc voilà. Bien. Du coup ici, hop. Ici vous avez accès à tout ce qui est saisie et compagnie, donc déposer tout ce que vous avez saisi, armes qui est saisi pour les personnes qui n'ont pas de PPA et compagnie. Du coup, je vous laisse regarder en même temps, voir s'il y a un gilet pare-balles, pistolet de combat, lampe torche, matraque et pistolet par exemple. Pas de pas on sera sur place. Bien pris. Au niveau de la supérette unicorn, ça tire. Il y a des unités qui sont en sortie. C'est moi répéter ce que j'ai besoin. Je peux y aller. Gilet pare-balles. J'arrive sur pistolet de combat. Pistolet paralysant. Matraque. Ouais, bien pris, Ador. Je vous attends. Et lampe torche aussi. On est juste à côté. Croisé à Camacho qui fait la route dans l'autre sens. Je pense que j'ai tout pris. Le pare-balles aussi. Le gilet pare-balles aussi. Ouais. Je peux le mettre directement. Et puis voilà. Alors pour les munitions, pour passer du 9 mm hein, pour le pistolet, donc on va prendre 48, ça fait 4 chargeurs. Ok, bien pris. Je regarde s'il y a des munitions. Aussi, on a pu directement récupérer.
pense que je n'en vois pas. Bah, il devrait. Chercher après les tâches. Je confirme qu'il n'y en a pas. Ok, ok, pas très bien. Tout est automatique, hein, du coup, poser quelque chose, hein, c'est notifié. Dès que quelque chose est pris, c'est okay, notifié aussi. Hop, donc. Quelqu'un l'est pour fermer ici. Salle informatique. Qui vous servira à rien parce qu'à part moi qui ai les accès, j'ai privé et modifié les trucs. D'accord. Voilà. Et. Y'a que moi qui ai entendu une détonation là ou... Ouais, ça va être encore des tests au niveau des égouts. Et. Et puis ça, le laboratoire. Des échantillons à faire traiter, hein, que ce soit substances illicites, d'armes à feu. Très ici. Ok, c'est le légiste. À peu près, oui. Évidemment, tout est surveillé par caméra vidéo, surveillance partout dans toute pièce. Donc, la cellule, hein, trois cellules de dégrisement classique, hein, on peut mettre jusqu'à 3 personnes. Et après, des cellules renforcées, quand les personnes sont plus récalcitrantes, hein, vous pouvez les mettre ici pour 2 personnes par cellule, hein, si besoin. Généralement, on trouve une personne hein, cette place. Après, ici, salle d'interrogatoire. Et contre-salle pour nous voir un petit peu ce qui se passe dans la pièce. Mener des interrogatoires, savoir un peu ce qui se passe. Parfait. Et là, deuxième salle de meeting en cas de d'intervention quelque part. Voilà, Star ou moi-même feront des. Après léger celle de l'étage. Bah l'étage c'est surtout pour faire les dispatch. Là ici c'est surtout quand on a des grosses opérations du style. Du style. Braquage etc. Non enfin les trucs qu'on planifie surtout parce que les braquages on va directement dessus. Mais okay. Quand il y a des trucs planifiés. Assaut sur. KDG voilà. Autour de poste. Quelque chose comme ça d'accord. Ah merci. Ok bien pris. Bah KD je t'attends au niveau des cellules. On va attendre les autres. J'arrive. En plus vous tombez bien, il y a une formation cellule ce soir donc. Voilà. Ah, bah, et donc le parking, dès que vous arrêtez quelqu'un, que vous devenez ici, vous arrivez, marche arrière. Ici. Voilà, okay. Vous arrivez à ouvrir marche arrière et puis vous le descendez directement. Parfait. Donc voilà un petit peu sur le commissariat. Après. Capitaine! Ah, t'attends juste 2 petites minutes, je le ramène après lui. Non mais ouais, bah d'accord. Il faut savoir que des primes sont distribuées à chaque fin de mois. Service rendu en fonction du service et du temps en poste. Poste, évidemment. Quoi d'autre? Point de vue véhicule, donc il y a 3 styles de véhicules. Et pas de patrouille, donc qui sont les véhicules. Et ce sont des Dodge. D'accord. Ça c'est pour vous. Après nous avons les émulateurs qui sont les 4x4, donc réservés lieutenant et des faux sergents. Et après il y a The Dark. Dark Mustang si je me souviens bien, c'est ça. C'est mon véhicule donc voilà. Véhicule de capitaine. Je vais me redire c'est quelle munition 9 mm. D'accord. Bien, impeccable. Du coup, ça. Du coup, après, vous verrez directement. Et votre téléphone perso, votre adresse Gmail pour avoir accès à tous les dossiers des compagnies. Et puis, comme ça, je vous donnerai aussi vos accès, enfin, les autres accès à ce qui est intranet et discussions internes. D'accord. Voilà. Quoi d'autre? Tout ce qui la est... radio? Ah oui, la radio. Vous avez une radio sur vous ou pas? J'en ai une. Impeccable. Et donc c'est 6.66. Radio crypté, seul mot pour viser. Bien donc, voilà.
Les véhicules, donc les motos, toujours deux par moto, pour le moment on les utilise pas parce que c'est un peu dévot, ils avancent pas. Donc voilà. D'accord. Quoi l'autre? Ah oui, tout ce qui est amende, il ne veut pas utiliser le tableau d'amende marqué sur votre tablette quand vous devez amender quelqu'un. Le tableau d'amende a totalement été revu et sur le. Du coup sur nos dossiers intranet, mon téléphone. Il y a celui-là qui sonne aussi. Oui, c'est pourquoi. Oui, mon capitaine, oui. Alors, avec la diligence du lieutenant Désiré, il faudrait que vous bougiez le cul. Pourquoi? Pour l'intranet des cadets. Ah, il. Ça fait une réformation toute bonne et toute propre. Ah, bah, qui m'envoie tout de suite maintenant Apparemment, les trois envoyés. Alors, si les trois ont envoyé, moi j'entends un. À toi, apparemment. Et ben, boum. Ah, j'ai que dalle que pouf. Attends, parce que maintenant les trois me disent qu'ils sont pas envoyés, ils ont fait taser, je crois. Ouais, bah qui m'envoie ça tout de suite maintenant, quoi. Et puis moi je vais essayer de bouger le cul à quelqu'un du service informatique, là, pour. Au moins qu'ils aient accès. Apparemment, c'est Leroy qui les a. Hein. Ah, c'est Leroy qui les a. Ouais, ils ont tous envoyé à Leroy par défaut. Bah oui, puis il a pas fait hier, lui. Du coup, essaye de voir toi de ton côté, bah ils vont t'envoyer ça très très vite, sinon je les tape. Mais ils sont déjà sur l'intranet classique, là, ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont déjà sur l'intranet classique, ils me demandent? Est-ce qu'ils ont accès aux discussions internes du SPD? Juste ça, parce oui. Que... Ah, oui. Ah, oui pour deux, non pour un. Ok, bah qui m'envoie ça, son nom, prénom, là. Comme ça, je fais rentrer lui et un autre, vite maintenant. Mais ce sera que discussion classique, parce que du coup, normalement, lieutenant devait faire le merdier, mais... Je crois que c'est Arch. Et attends, moi j'ai encore de le faire dans mes oreilles. Oui, attends, oui, parce que là, du coup, oui, attends. Là, j'ai trois pansements face à moi, là. Alors... Ouais, vous êtes en bas au niveau des cellules? On est en bas au niveau des cellules. Ah bah attends, je descends, ça va être plus simple. Ah, fais ça, c'est mieux. Ah bah du coup, c'est moi. Je vais prendre vos noms un par un. Bien. Bon, Owen, ok. Déjà. Hop, voilà, impeccable. Bien, du coup, je regarde ce que j'ai reçu. Ouais, c'est comment déjà? Tomirex. Il y a 4 cadets? Okay, oh putain, c'est le mec que j'ai eu à l'instance pour ça. Ok, toi c'est ouais. Bon. Très rapide et efficace. Que je note les noms pour les formes. James Seco. Ok, et le dernier cadet? Ethan Thatcher. Alors, Ethan. T-A-T-C-H-E-R. Ok, nickel. Bon, après, vous verrez que vous voyez que le capitaine tout de suite pour aller pour les adresses mail. Là. Okay. C'est quoi le prénom? De quoi, le capitaine? Le prénom? Oui. Julien. Ok. Tu connais pas Prince Capitaine, c'est super ça déjà. Il l'appelle Capitaine, c'est déjà ça. Oui, il l'appelle Capitaine. Ah, oh, bah son petit Julien. Ah, quoi. Tu parles de toi à la troisième personne maintenant? Ah, bah super. Le mec, il a pris le melon. Ah, oh, ouais, 5 minutes. Écoute, j'essaie de faire les trucs là, mon petit, je suis sur les dossiers. Je sais pas comment ça marche, oui. Moi, tout ce merdier là. À une époque, on avait un responsable informatique. Ah, ouais, d'ailleurs, il est où là, Stanford, hein, responsable informatique? Stanford, bonne question. Il a récupéré quand même les adresses mail hier, lui, donc... Ouais. Mais je crois que en fait, il peut donner qu'accès au petit récap, en fait. Ah bah bon? Ouais, bah apparemment, parce que j'ai des cadets qui ont... Bah par exemple, Owens, il a accès au récap, avec les notes de service, rapport de soirée, etc., avec le récap du code civil, mais il a pas la globalité, quoi. Ah putain. Bah les 4 qui sont là, prenez vos téléphones, nom, prénom, plus le mail... Et je vais bouger le cul de quelqu'un pour tout ça. Peut-être aller en ville, mais en fait, je suis un peu rien ici, là. Et ceux qui n'ont pas le... Ouais. Ceux qui n'ont pas le... Ça. Ceux qui n'ont pas juste accès aux discussions, vous mettez en plus, vous marquez pas accès aux discussions. C'est mon Pico, t'es encore en service, là? Et prise de service de... Ah, j'essaie de vous trouver, mais je trouve pas. Je suis à l'accueil. Sergent, je suis en haut du... Ouais, moment, hein. Pareil. Vous avez besoin de moi, sergent?
chercher, on va en tour tranquillement. Je suis, voilà, je suis en... Putain, mon malheureusement, Louis, ce qui est arrivé, ok, bah ça part de là, je me mets sur le parking. C'est bon pour moi, capitaine. Alors... Ok... Alors... C'est bon pour moi aussi, capitaine. Ok... Thatcher, c'est ça, Thatcher? C'est ça. Il faut votre mail aussi. Je sais pas si vous l'avez déjà donné, mais... Directement votre adresse mail, comme ça au moins je tiens groupé pour tout le monde. Du coup, récapitulatif, Seco, c'est ça? C'est ça, c'est bon. Ok, donc Seco, c'est bon, j'ai votre mail. Soren, j'ai votre mail. Thatcher, j'ai votre mail. Et Rex, j'ai votre mail aussi, impeccable. Impeccable. Eh bien, écoutez, impeccable, je vais voir pour tout ça. Puis comme ça, je vous laisse aux mains pour le moment. Lieutenant pour votre formation. Voilà. Ça, et après, petite formation tir et puis donner PPA à tout le monde parce que je pense qu'ils n'ont pas non plus le PPA. Ah, bah oui, je m'en occupe. Et bah, impeccable. Moi, c'est fait personnellement. Et c'est fait, bah excellent. Moi aussi. Écoutez, je monte dans mon bureau, gère ce merdier là et puis je redescends après. Parfait. Bien, c'est. Pas de soucis. Je vois s'il y en a qui nous ont rejoint et qui sont dit bonjour. Étant donné que je n'ai que deux écrans. Je ne peux pas. Tout ce qui se passe, hein. J'ai trop de fenêtres ouvertes entre le Discord, le G-Doc. Donc le stream là. Teams. Tiens. Dans le bureau tranquillement. Ça, j'ai ça. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ce Rani, il est là. Passe la frontière. Mais on l'a encore ce message là alors que les frontières ont. Qui ça? Ça c'est pire. Alors Soren, c'est tout ce que j'ai. Domia. Hop. Mmh.
problème. Déterré de ruisseau. Allez, écoute, cadet. Faut aller où? Celle de briefing sécurisée à l'arrière des cellules. Ok, bien pris. Et c'est à jour, moi, encore, je crois. Ouais, mais viens quand même. Miller, retour radio. Oh, Anilil, c'est Seco. Seco, comment? Seco, je sais pas. Ah ah, il m'a pas marqué, il m'a juste marqué Seco. Attendez, je vous en prie. Je vois pas. Aveugle ou je suis aveugle? Ah là. Agent Paddington, bus de service. Bien pris, bah bonsoir Paddington, on va partir en planque. J'arrive. Ah là là. Excusez-moi, hein, stream passionnant. Stream totalement, extrêmement passionnant de... la bureautique. Dernier. Peut-être la frontière. Je préfère 1-1-1. Attends, je vais décaler comme ça. Ouais. Ok, compris. Ouais, capitaine. Oui, Rex, il y a un pépin dans votre mail. Ouais, je vous ai répondu. Ah ok, d'accord, bien merci. Ok. Bon, du coup, ouais, voilà, repos, Rousseau. Oui, merci. Du coup, voilà, vous leur retirez le PPA. Une fois que vous avez effectué la fouille, vous enlevez tout ce qui peut être dangereux pour lui. On a des énergumènes en ville qui seraient capables de s'étouffer avec leur ceinture. Hein. Il y a des cons.
ou même de s'étouffer avec leurs lacets. Bon, tout est possible, hein, vous savez, hein, ça va très vite. Donc tout ce qui est bagues, montres, boucles d'oreilles, lunettes, écharpes, ceintures, lacets, clés de voiture, qui sont par exemple comme les miennes que je tiens sur ma ceinture, par exemple. Enfin bref, vous avez saisi le truc. Ok, c'est clair pour vous? Compris. Oui. C'est compris. Ok, nickel. Donc, une fois que vous avez fouillé la personne, qu'est-ce que vous en faites? Une fois qu'on est fouillé, excusez-moi. Bref, allez-y, un par un, s'il vous plaît. La fouille est effectuée, et là, le mec, il est là. Vous en faites quoi? On le met en cellule et on note dans le PC son dossier. Alors, ouais, faire motif. Moi j'aurais dit qu'on lui notifie déjà de la raison pour laquelle on l'arrête et après on le met en cellule après lui avoir potentiellement expliqué ses droits. Dès qu'on l'a arrêté normalement. Tout dépend. Alors, ça c'est tout dépend des codes pénaux. Là, dans notre ville, les droits, tu peux les prononcer au commissariat si tu vois que la zone est une zone à risque. D'accord. Ça, le code pénal nous couvre à ce niveau-là. Donc, vous le fouillez, vous le mettez en cellule. Avant de le mettre, vous lui notifiez ses droits et la raison de son incarcération. Bien sûr, que le mec ne soit pas paumé en cellule, sans savoir pourquoi. Ouais, t'as eu un patrouille du coup? Je suis avec Pico là. Avec Pico, ok. Toi t'es avec Pico et du coup, l'inspecteur est avec Paddington. C'est ça. Picam impeccable. L'autre. Quoi d'autre? Tu vois après avec le lieutenant si c'est lui ou si c'est toi qui fais les tests de tir des cadets. Une fois qu'il aura fini. De toute façon, il a l'air parti pour de toute façon. Je pense. Voilà. Je vais pas arrêter dans ces bons chemins. Ouais, oui, tant qu'il y a faire. Hein. Parce que du coup, ils ont pas de PPA. C'est peut-être lui qui les fera. Donc, Walou. Quelque chose de. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais pas là pendant 4 jours. Je suis revenu hier, je travaillais hier et aujourd'hui là. Ouais, bah en fait, il faudrait limite qu'on se voit que Pico te raconte sa version des faits que je trouve plutôt bonne. Ouais, bah écoute. C'est passé apparemment hier soir là. Vous pouvez passer. Bah, c'est voir qu'on parle un peu de Stark aussi tous les deux là. Ouais, bah on passe dans le bureau directement, je suis sérieux. Ouais, bah c'est bon, on arrive tout de suite là. Bah très bien, impeccable. La bise. Bien, bon. Parler du Angus. Quelqu'un?
personne a vu. Personne a vu. J'ai... Si je vais. Bon, après on verra qui c'est qui est encore là. Encore là après. Cadet, j'ai 3, j'ai 2 agents, sergent et un inspecteur. Ouais, pour le dispatch, ça sera un cadet chacun et puis. Il vient d'arriver. Mmh. Ouais, mais c'est que. Ouais, vas-y. Voilà, c'est vrai. C'est... Je vais me mettre là. On va me voir. Mais j'étais pas loin. Oh, oui, c'est vrai. Impressionnant. J'ai cru que vous alliez pas me voir, Yonk. Bah, t'inquiète pas. T'as ton bureau, je suppose. Ah, bah oui. Ah, c'est croustillant. Hein. Ah, c'est croustillant là. Tout part de vous, capitaine. Hein. Ah bon, en plus. Ah, tout part de vous. Bah, comme d'habitude, hein. Tout part d'un message radio. Et après, la descente aux enfers. Alors là, les messages radio, des fois, je fais des conneries dedans. Attendez, hein. Voilà. Ouais, remettez les chaussures, hein. Là, pas de conneries. Ah, autant pour moi. Oui, non, mais... Je vous respecte, mais je m'assois un petit peu. Hein. Oui, bah, fait. Bon, écoutez, allez-y, je vous écoute. Alors, tout est parti de votre message radio hier, quand vous avez dit « Il y a un Camacho qui tourne en rond, faut l'arrêter et vous lui mettez tarif. » Eh. Voilà, tout est parti de là. Ah, ok, d'accord. Sans oublier que hier, on a eu des gros recrutements avec les cadets. Ouais, ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de recrutements, c'est pas mal, ça. Voilà, pas mal de recrutements. Et en fait, ça s'est passé... Enfin, c'était beau à voir parce que... On avait 4 cadets à notre charge avec Paddington et moi. On a réussi à arrêter le Camacho après une course-poursuite assez longue. Mais à 3 véhicules ou 2 véhicules, je ne me rappelle plus, on a réussi quand même à le mettre à mal. Donc ça, c'était plutôt assez cool. On arrête M. Ortega. L'amène en cellule. Moi, ce que je fais derrière, c'est que je récupère le Camacho, je l'amène au parking du commissariat pour mettre un coup de pression. Parce que je savais qu'il allait dire « j'ai pas de plata, je paye pas ». Donc le ouais. Camacho, c'est bah, « pas de souci, t'as pas de plata, tu rentres chez c'est toi et tu rentres ». C'est pas comme ça qu'il a dit. Comment il l'a dit ?« Ah, j'ai pas la plata ». Donc voilà comment ça s'est passé. C'est une biclate. Donc, on amène M. Ortega en cellule. Le lieutenant Leroy s'en occupe. Moi et deux cadets, on est sur le parking commissariat. Et Paddington ouais, avec... Il me semblait deux autres cadets gérer l'entrée du commissariat parce que tous les Rivas s'étaient rendus au commissariat pour casser un peu les couilles. Là, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, on entend crier Paddington à la radio. On se rend à l'entrée et puis on voyait Paddington au milieu de tous les Rivas tout seul et en train de taser des Sergio plusieurs fois. Donc là, on calme un peu l'affaire. Leroy a trouvé bon de ne pas faire payer M. Ortega et de l'envoyer à la mairie pour tondre la pelouse. Donc, moi, j'ai pas trop accepté, mais bon, j'ai rien dit, hein, je suis seulement agent. On va à la mairie. M. Ortega, on lui fait une fleur. Il a trouvé bon de vouloir s'échapper. Pourtant, on ne le fait pas payer, on lui fait juste tondre une pelouse. Donc, bon, on le rattrape. Il monte sur une échelle, il prend un coup de taser, il se démit l'épaule. Donc on appelle le LSMS. Là, Madame Kate a trouvé bon habillée en civil.
habillé en civil, je répète, de vouloir nous donner cette théorie sur les interventions. Moi, j'étais en relation radio avec le lieutenant, lui disant, écoutez, lieutenant, il a cramé sa chance, on le ramène au commissariat et il paiera l'amende. S'il n'a pas d'argent, c'est pas grave, on garde le Camacho en saisie. Il me dit, ok, bonne idée, vous revenez. À Monsieur Ortega, donc, on lui remet l'épaule en place, on lui donne des antidouleurs. Je lui dis, Monsieur Ortega, vous avez cramé votre chance, vous allez payer. Il me dit, j'ai pas la plata. Je lui dis, pas de problème, nous on a ton Camacho, on le garde tant que tu nous donnes pas l'argent. Donc là, de suite, il s'est retourné, il m'a dit, pas de problème, amenez-moi une banque. Donc, Kate est venue vers moi, m'a dit, arrêtez tout, relâchez-le, vous faites n'importe quoi, vous êtes des fous, vous tasez un mec alors qu'il est sur une échelle. Je lui dis, écoute, on lui laisse une chance, le mec, il part en courant, s'il se fait mal, c'est de sa faute. Je lui dis, non, au bout d'un moment, on n'est pas, voilà, j'ai pas mon BAFA, quoi, je gère pas des enfants. Donc, il prend ses responsabilités. Je lui dis, arrête de lui trouver, je lui dis, c'est complètement à quel blanc ce que tu me dis, arrête de lui trouver des circonstances atténuantes à un type comme ça. S'il doit payer 2000 balles, il paye 2000 balles. Donc là, elle a pas apprécié. On retourne au commissariat. On se fait courser par un 4x4 noir et deux motos. Moi, j'étais le deuxième véhicule, donc le premier véhicule avec M. Ortega, et moi, j'étais à l'arrière. Ce que je fais, c'est que je fais un pit de défense sur le 4x4. Le 4x4, il part en tête à queue. Moi, je fais un demi-tour et je pars dans l'autre sens du commissariat et j'arrive à attirer les rivasses. Le temps que Ortega, lui, tranquillou, avec une patrouille, arrive au commissariat sain et sauf. Monsieur Ortega, on arrive à lui faire payer. On lui rend son Camacho. Là, à ce moment-là, on ne sait pas d'où ils sont sortis. Lieutenant Stark et Sergent Kate arrivent habillés en service. Alors qu'il me semble, ne l'était pas juste avant. Et là, tout d'un coup, on s'est pris une soufflante de l'autre monde comme j'ai jamais pris, parce qu'on a fait, on a géré une intervention complètement merdique. On est des fous, on a tasé des gens, on a perdu notre contrôle et on a fait payer, Monsieur Ortega. Bonsoir. Pallington, malheureusement, il a pris tarif parce qu'il a perdu ses moyens et il a tasé plusieurs fois Sergio. Apparemment, il nous a donné plusieurs informations à la radio comme quoi il était en danger. Malheureusement, ce n'est pas passé. Personne n'a entendu ces messages radio. Donc, quand on est arrivé, c'était un peu la zizanie. Bonsoir, Bichou, comment ça ? Sergio lui a donné 50 balles à Pallington. Mais Pallington est venu me voir de suite en me disant « Fais-moi une facture. Je veux pas ces 50 balles. » Moi, je n'ai pas eu le temps de lui faire parce que j'étais en train de discuter avec le lieutenant de tout ce qui se passait. Et pendant la réunion, en fait, le lieutenant a trouvé bon de soulever Pallington et de lui en mettre une. Le quart de sa vie pour toi, là, encore. Comme quoi, ramène, ou pas comme quoi ouais, il n'a pas le droit. Enfin, attendez. Je vais en train de passer la formation, je lui ferai un récap et il rejoindra tout ça. Je baisse ma radio. Ok, ça va, il descend en courant. Ouais, parce que sinon, c'est difficile de parler en même temps. Donc, sans écouter ce qu'on avait à dire sur l'affaire, le lieutenant a trouvé bon de sécher Pallington parce qu'il n'a pas accepté de l'argent. Alors que Pallington était venu me voir pour lui faire une facture. Mais ça, malheureusement, le lieutenant agit avant d'écouter. C'est un peu dommage. Et après, Kate nous a fait une théorie sur ses interventions. Alors qu'on avait à gérer, on était deux agents et on avait à gérer quatre cadets qui avaient 5 minutes de service. Et dans l'ensemble, entre l'arrestation, entre l'interrogatoire et entre la saisie du Camacho, avec 4 cadets dans les pattes, je trouve qu'on s'en est super bien tiré. On a réussi malgré tout à tenir les rivasses hors du commissariat, même si Pallington a un peu craqué et a tasé plusieurs fois les mêmes personnes, ce qui peut être très dangereux, ça je l'avoue. Mais au fond, on ne méritait pas ce genre de soufflante. Donc bon, je sais pas si vous avez tout noté ou tout suivi. Oui, j'enregistrerai. Voilà. Donc on était que deux agents avec plusieurs cadets en service. Le lieutenant Leroy, lui, gérait Ortega en cellule. Et puis tout d'un coup, on débarquait sergent et lieutenant Stark, mais seulement pour nous détruire au lieu de nous aider. Quoi. Et puis un sergent en service...
un sergent en civil sur une intervention qui donne cette théorie, moi je ne l'ai pas trop accepté. Après, je suis resté courtois, je lui ai simplement dit que c'était aberrant ce qu'elle disait et qu'il faut arrêter de trouver des circonstances atténuantes à des gens comme ça. Simplement ce que je lui ai dit, rien de plus, rien de moins. D'accord, d'accord. Et puis on a été pris en chasse, faut pas oublier. Alors, donc c'est, rappel, on, la pression, on l'a gardée du moment où vous nous avez dit, donc ça a duré longtemps, vous nous avez dit arrêtez-moi ce camachon, on s'est mis en pression. Merci. Et on l'a relâché seulement après le débrief qu'on a eu. Donc ça a duré hyper longtemps. C'est pas non plus joué rigolo quoi. Ça a duré hyper longtemps. Ok, okay. Du coup, résumé. Arrête Ortega. Saisis Camacho. Voilà. Attends, bon, en même temps, je garde mes notes. Qui sont prises comme de merde. Donc ça, après, je vais parler plus doucement. Après, interrogatoire du lieutenant Leroy Ortega. Tout le reste de l'équipe en dehors du LSPD pour contenir les Rivas en dehors du commissariat. Et vous savez très bien que quand ils s'y mettent... Hein, oui, non, bah, déjà, ça. Les mecs devant le comico, ils auraient pu se harter, donc je... les agents... ça me dépasse aussi, mais... Enfin, les mecs, ils auraient les fous furieux là, qui sont dans les bureaux à côté, là, les autres pimpins qu'on voit jamais, là, ils auraient pu descendre et tirer sur tout le monde. Bah, malheureusement, c'est ce qu'a fait Palinton. Comment ça s'appelle, Teresa de l'accueil, elle aurait pu sortir son 9 minutes et tirer sur les Rivas. Malheureusement, c'est ce qu'a fait Palinton, mais il s'est pris une droite par Stark en faisant ça, en tasant la même personne. Donc, c'est pour ça du coup qu'on va devoir en priorité, parce que Stark, bon, il va falloir un petit peu qu'il se calme aussi le gaillard là. Ouais. Parce que dès que Stark, je t'en parlais de lui en ville, c'est qu'il a frappé quelqu'un. Oui, et quand c'est un de nous qui le fait, tout d'un coup ça va plus. Parle, sinon, ça va être l'ami qui va lui parler, ça va pas être Jojo. Hein. Du coup. Ortega arrêté, Camacho était saisi, Leroy. Interrogatoire. S'est occupé de l'interrogatoire. Mary pour travaux pour TIG. Après du coup donc, elle est à la mairie pour les TIG. Ortega s'enfuit. Ouais du coup après Ortega s'enfuit, il avait combien en payé de base dans les 2000. 1006 ou 1008 ou 2000 je sais plus, mais voilà ça, c'était pas gros quoi. Après, il s'enfuit. Coup de taser en haut d'une échelle, il se pète l'épaule. Oui, bah ça, il est pas qu'à se barrer. Hein. Voilà. On le guérit, retour commissariat pour le faire payer. Là, on est pris en sandwich par les Rivas. Ouais. Je fais un pit. J'arrive à les séparer du commissariat. Ortega en cellule. Ortega qui est relâché pour aller à une banque et payer. Il revient, il paye et il s'en va. Ok. Avec le Camacho. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que Monsieur Leroy a porté plainte parce que il a croisé Monsieur Ortega dans son Camacho et il lui a pété sa bagnole. D'accord. En représailles. Okay, okay. Il me semble que j'ai vu Monsieur Leroy porter plainte juste après l'intervention parce que il y a eu une représaille. Et après, Kate qui reprend son service. Monsieur Stark, il me semble également, ça à voir, pour nous démonter alors qu'ils n'étaient pas en service. Quoi. Et avant tout, je pense qu'on ne saute pas les échelons. Et capitaine, il y avait peut-être une réunion à faire avec vous, des uns et des autres. Et puis, vous savez, moi, ce qui me dérange envers le lieutenant Stark, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il soit proche de nous. Oui, non, Stark, c'est comme ça. Ouais, mais il fait de la répression avec nous, quoi. Oh, alors qu'on était dans le mal, il avait juste à demander ce qui s'était passé. Et là, lui, après, il juge, il fait son jugement. Mais avant, écoute, sans nous, il est rien, lieutenant. Ouais. Tout seul, il peut pas faire le cow-boy. Donc déjà, qu'il soit proche de nous et après qu'il nous en mette une si on a fait une connerie. Ok. De toute façon... ça va être simple, hein. Les trucs des travaux d'intérêt généraux, là j'ai remarqué un message de service, mais les travaux d'intérêt généraux ça remplace pas l'amende. S'il peut pas payer son amende et qu'il doit faire des travaux d'intérêt généraux, bah, ça couvre 50%, donc c'est à dire que s'il a 4000 à payer, il paiera 2000 plus les travaux d'intérêt généraux. Il faut peut-être voir que les travaux d'intérêt généraux ça remplace les amendes. Hein.
pour que je leur foute ça aussi quelque part, ce truc-là. Et ça, c'est devenu une habitude, malheureusement, c'est que maintenant, on leur fait des TIG et plus personne paye. On sait très bien qu'une bande comme les Rivas, ils sont millionnaires. Ah bah c'est très simple, ils veulent pas payer, c'est pas grave, nous on saisit le Camacho, hein, puis nous le revend. Ah oui, non, mais les mecs, ils ont du pognon avec des Camacho, donc là, on va les saisir, et puis voilà. Ça va aller 30 secondes et demie, quoi. Ça, faut... Mais ça, c'est pas rentré dans la tête de tout le monde, parce que malheureusement, maintenant, on fait plus payer, j'ai l'impression. Dès que quelqu'un fait une connerie, on fait plus payer. Alors qu'ils ont l'argent. Ils ont de l'argent qui vient du Mexique, et ils ont des véhicules à customiser à 80, 100 000 balles. Ils ont l'argent. On le sait. Donc, si on veut rentrer de la moula, nous, dans nos services, il faut en profiter. Après, au pire... On lui dit, bah, t'es en cellule, appelle un de tes mecs, il nous amène ton Camacho, on le garde chez nous, et dès que t'auras payé l'amende, on te le rend. Ou sinon, on te libère, mais t'as une dette envers la société, on te laisse une semaine pour payer, sinon on saisit tes biens. Ok, ok. Et du coup, à peu près dans le détail, dans les grandes idées, qu'est-ce qu'ils vous disent, Stark et Stark, là? Comme quoi on a été très dangereux, c'est pas comme ça qu'on gère une intervention. Si on... Là on va tout droit à une guerre contre les Rivas. En fait, ce qu'ils ont pas aimé, c'est que quand on avait Ortega chez nous, Palinton, malheureusement, en fait ça s'est passé comme ça, mais c'était contre son gré. Il a passé plusieurs messages comme quoi il était en danger, qu'il voulait des renforts, et malheureusement personne n'a entendu, et il a commencé à taser plusieurs fois la même personne. Donc c'est là où en fait, il y a eu des gros problèmes, parce que ils nous ont expliqué que si on veut une guerre contre les Rivas, et se faire kidnapper, se prendre des coups de couteau à chaque fois qu'on les croise, c'est la bonne méthode. Voilà pourquoi on a été convoqués. C'est rassurant d'avoir des gradés comme ça. Ouais. Et le taser Ortega alors qu'il est sur une échelle, c'est interdit, on peut lui faire mal, c'est pas n'importe qui. C'est ce que j'ai dit. Okay, mais voilà très pourquoi bien. On a été convoqué. Après, je pense qu'ils ont oublié qu'il y avait deux agents pour 4 cadets. Donc, et pour des cadets, en plus, qui avaient à peine 2 minutes de service. Vous savez très bien comment on gère. Eh bah, très bien, très bien. Je vais appeler Palinton. Pour s'il peut. Il est en plan. Okay. C'est pas grave. Okay. Bah, vous pouvez au pire lui demander un petit rapport écrit, et comme ça, il vous le transmet directement à vous. Ouais, non, mais je vais directement l'appeler, c'est trop simple. Ok, bah impeccable, bah écoutez... Merci de m'avoir entendu, capitaine. Ah, pas de soucis. Ah, je te cache pas, quand tu commences à raconter ça dans la voiture et qu'en même temps tu m'as appelé, je me suis dit, ah bah ça peut coïncider, au moins il y a sa passion d'effet toute faite pour toi maintenant, ça va. Comme ça, au moins, t'as la version que je pense, moi en tout cas, officielle. Non, mais après, si on fait des conneries, c'est normal, mais moi ce que je veux, c'est qu'on nous écoute. Parce que dès qu'on parle à certaines personnes, on nous tourne le dos et ils se barrent. Donc c'est difficile en tant qu'agent de se sentir, on va dire, épaulé par nos supérieurs. Et ça après, il ne faut pas se leurrer. Les courants d'air qu'on a en ce moment à la SPD, c'est peut-être lié. Ouais. Bon. Bah, très bien, bah, écoutez... J'espère que les cadets qui ont vu ça hier, parce que c'est vrai que les pauvres, ils avaient 10 minutes de service et ils ont vu Palintos se faire prendre une droite par un lieutenant. J'espère que ça les a pas effrayés. Parce qu'entre ce qu'ils ont vécu avec les Rivas, les arrestations, courir après l'un après l'autre, les coups de taser et le coup de poing pendant un débriefing, si t'es cadet, tu t'en vas. Par contre, Delphine, ça reste pour nous. Hein. Moi, Stark frappe un agent qui a rien fait devant moi, je réponds. Hein. Oui, c'est un peu. J'ai en même temps. On fera pas un de mes hommes comme ça. Ouais. Il se prendra une patate et c'est pas le sergent qui lui mettra ses rudis. Hein. Ouais. Ouais, je vois. Très bien. Ok. Ben merci, capitaine. Passez une bonne soirée. Et puis on va retourner en patrouille. Ouais, ok. Et si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à m'appeler ou m'écrire. Je vous répondrai. Si j'ai omis quelque chose. Ok, de toute façon, c'était son amende. C'était pourquoi ? C'était pour excès de vitesse faut voir si avec monsieur Leroy s'il a mis ça dans le casier judiciaire. Je regarderai. Seul son casier peut faire foi. Oui, il y a excès, refus d'obtempérer, délit de fuite pour monter jusqu'à 2000. Oui, il y a toutes ces choses-là. Ok, très bien.
Donc voilà. Et merci pour votre message radio. avec le... Arrêtez-moi ce Camacho, mettez-lui tarif. Ah, voilà ce qui s'est passé. Oui, bah, oui, oui. Comme quoi. Bon, bah, si, c'est bien radio là. C'est la police. Paddington, je sais pas. Vous pourrez répéter radio. C'est pas important à mon avis. Négatif, communiquer avec Paddington sur la planque. Ah, bien pris. Ah, merde, bien pris. Ok. Ok, bah très bien, impeccable. Bah merci. On est retourné à toi. Pas de soucis, bon, bah, je vais deux trois coups de fil à passer maintenant. Allez, on file. Allez. Au revoir, capitaine. Au revoir. Le travail de capitaine, nananana. Le travail de capitaine. Ok. Eh, merci. Get, get, get. Oui, allô, je peux te voir dans mon bureau, s'il te plaît? Ouais. Eh bah, très bien, bah écoute. Eh bien, moi, je suis au commissariat, donc Ouais, bah j'arrive tout de suite. Eh bah, PK, merci. J'ai pas mon truc avec les stylos, c'est dommage, parce que normalement il doit y avoir une plaque quelque part ici à marquer Captain Delphine avec les deux stylos. Bande pastel, picot. Ils sont pas là, peut-être sur le... Ah bien pris pour Ruisseau. Oh. Ah c'est que ça prend que faut t'es mis, dommage. Techniquement, c'est marqué Captain Delphine quelque part, peut-être sur la plaque. Regardez. Je suis là pour dire. Chef, non c'est juste marqué chef. Quel dommage. Ces photos là. Très bien. Un peu pixelisé. Ça doit être les comico, je pense. Vas-y, rentre, rentre. Bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir. T'as changé de couleur? Oui. Sympathique. coupe de cheveux aussi. Oui. Sympathique aussi. Bref, je sais pas pour parler papier toilette. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des problèmes avec Ortega. Oui, il y a eu des problèmes avec Ortega, et le problème c'est que les agents ils comprennent pas que s'ils veulent une guerre, et bah qu'ils aillent la faire tout seuls, qu'ils mettent pas la SPD dedans. C'est déjà compliqué ici, alors si en plus de ça on a des agents qui se permettent de faire certaines choses. Du coup, je reviens à savoir ce qui s'est passé. Bah, il s'est passé que Paddington a tasé trois fois un Los Rives devant le poste. D'accord. Plutôt que de simplement lui mettre les menottes une bonne fois pour toutes. À croire qu'il s'est amusé, il jouait la provocation devant le poste aussi avec eux. Et en prime, j'ai appris qu'il avait accepté 50 billets de la part d'un Los Rivas pour se taire. Son but, c'était de les accepter, et puis ensuite de les remettre dans le coffre de la SPD, mais le problème, c'est que même s'il le remet ensuite, ça laisse un... Ça a fait croire au Los Rivas qu'il est corrompu, et que ça peut passer comme ça à chaque fois. D'accord. Donc j'ai juste dit, si vous voulez une guerre, et bah vous prenez vos armes, vous allez devant chez eux, vous tirez, et puis là vous l'aurez vu. Hop hop hop. Ouais.
De toute façon, il va falloir aussi à un moment donné que les Los Rivas comprennent qu'ils arrêtent de jouer avec nous au niveau du commissariat, parce qu'un jour ils vont se prendre une balle d'un agent et ils vont pas comprendre. Mais certes, mais. Enfin, même c'est de pas Teresa, une Teresa pour va sortir la M4 de, et. De se provoquer comme ça mutuellement, ça sert à rien. Mais oui, j'ai juste expliqué, vous jouez l'inverse, vous bonjour monsieur, au revoir monsieur, merci monsieur, bonne journée monsieur. Voilà. Oui, oui. Très bien, très bien. Et du coup, par la suite, avec Ortega, ça s'est passé comment ? Bah, Ortega, il a parlé d'une machette qu'un agent lui avait pris et pas rendue. Attention, on commence à se dire les armes, c'est normal. Hein. Ouais, mais c'était une machette et. Comment dire ? Il n'y a personne qui a voulu lui rendre, donc bon. Également, il a son PPA, sauf qu'il ne l'avait pas sur lui au moment de l'arrestation, mais bon, on a des registres en personne. Ouais, parce que c'est qui fait passer son PPA lui ? Il l'avait pas, il l'a pas passé ici. Ah bah s'il a pas passé ici, il y a pas de PPA. C'est les seuls services de police de la ville qui font passer les PPA. Ah ouais, mais non, mais je l'ai vu, hein, son permis. Et il est totalement. Comment dire ? Il est authentique quoi. D'accord. Donc bon, qu'on lui retire, enfin, mettre des amendes machin, mais si on n'a pas de raison de lui prendre une arme, bah, ça devrait pas arriver. D'accord, d'accord, non, parce que de base, lui, c'était juste qu'on veut juste un contrôle pour excès de vitesse, donc ça se fout de ma gueule oui, aussi. Oui, en plus. Enfin, il y avait juste un contrôle pour excès de vitesse et il a menacé des agents. Il a refusé d'obtempérer et... Alors qu'il a hâte de se croire au-dessus de la loi, aussi. Ok. Ah mais se croire au-dessus de la loi, c'est bien beau, mais le problème, c'est que quand des agents se permettent de rentrer dans leur provocation, bah, ils ont plus vraiment la ligne, en fait. Ouais, si les agents se tenaient à carreau devant eux, enfin, pas à carreau, mais s'ils étaient dans l'opposé de ce qu'ils font, déjà, ça irait mieux. Effectivement, effectivement. Et rentrer dans leur jeu, taser trois fois une personne et accepter de l'argent, c'est... Ok, bon, bah, je crois qu'il n'y a pas une donne pour vrai. Mm. Ok, d'accord. C'est voilà. Faire monter les bretelles hier par Stark, de toute façon. D'accord. Tu prends ton service ou pas, parce que l'on a 5KD. Ouais, bah, je vais peut-être le prendre. Je vais juste appeler. J'ai un coup de fil à passer avant, mais je vais le prendre. Ok, ok, très bien, impeccable. Voilà. Ah bah impeccable, très bien. Très bien, très bien. Bah écoute, bah je te laisse vaquer tes occupations. Et puis... Ouais. Bon courage. Ah merci. Tu as le temps de le passer avant elle ? Question. Manuel Farge. Oui, il va falloir que je te vois pour ce qui s'est passé hier au commissariat. Passé hier au commissariat. Monsieur. Je sais pas, par moi t'as foutu une soupe d'agent. Il y a la pépa aussi avec Ortega, je sais pas trop quoi donc. Ouais, on verra après. Enfin, ouais, bah voilà, bon, je suis en train de convoquer tous les agents qui étaient présents hier soir pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, je te ferai un débrief, t'inquiète. Très bien, bon bah à plus tard. A plus. Ça s'est fait. Paddington. J'ai pas Wellington. Dernier. Oui, effectivement. Et Montgomery, prise de service. Bien pris, bonsoir. 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 Qui a besoin d'aide pour les cadets? Ils sont en bas avec, avec le lieutenant, tu peux descendre dessus. Ok, bien. Je vois le numéro de Paddington, c'est quoi ce merdier? Oui, effectivement. Le problème c'est qui? Alors, il faut pas mettre deux amendes ou Los Rivas, machin. Tirer dessus, non, ils tirent dessus, les mecs ils sont deux et puis fini. Merde, j'ai pas le numéro de Paddington. Pourquoi il est pas marqué? Paddington, c'est quoi ton numéro?
je regarde, je vous dis ça tout de suite. 32-71. Ah, merci. Kiko. J'en pourrais mettre à jour en même temps les dossiers. Si, pour l'internet. Stream passionnant ce soir, mesdames, messieurs. Stream très passionnant. Le bureau, le travail de capitaine. Je n'ai pas Pico non plus. Appelez, on va. Bonne. Premier numéro. 555. Il dit 32-71, hein. Qu'est-ce que j'ai marqué? 32-71, c'est ça. Ah si, je sens mieux. Oui, mon capitaine. Oui, du coup, en briefing notre plan, il faudra que je te vois par rapport à ce qui s'est passé hier. Ok, ça marche. Du coup, bon, on a dit à droite à gauche, on pourra un peu. Donc, je te vois tout à l'heure quand on aura 5 minutes. Ok, ça marche. Je vous préviens quand on a fini. Ok, d'accord. C'est quel supérieur ton monarchie? Arlon, tu vois. Ça, c'est pas ça que je veux. Gendarme sur mon téléphone. Eh ben. Bon, ouais, personne, tant pis. Ils démerderont avec leur supérette. Ouais, trafic illégal hors stupéfiant. 1000. Bon bah tant pis. Comment ça se passe avec les cadets? 6000$, c'est vrai que je vais. Oh, toi tu m'as catégorisé. Ça comment? Trafic illégal hors stupéfiant, c'est dans les délits majeurs vers la fin. Officiel. Trafic de véhicule. Sortir mon véhicule du capitaine pour récupérer le truc à truc à voir. Et glissade. Arcustant. Ego. Ça se consomme. Et ça prend. Ah, j'avais retiré les piques. Merde. Si j'avais été retiré hier. La formation des cadets.
pour nourrir au chat. Même vous, si vous voulez. Oh, ça me gratte les couilles. Non mais... Ouais. Super toi. Eh, faites moi. Ah, écoute, ça me gratte les couilles, ça me gratte les couilles. Hein. Ça commence à m'agacer. Ça se passe bien? Ouais, affirmatif, ouais, très très bien. Tout saisi le truc là, je vais juste les prendre 5 minutes après pour les plats. Jean-Pierre Castaldi. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Hein. Ok, bon, c'est bon, normalement tout le monde a accès au dossier là. Il y a le dernier qui arrive en cours. Est-ce que je peux avoir votre carte d'identité, monsieur? Ah, merde, parce qu'en fait. À la fin, on lui demande. Je l'ai perdu. Du coup, c'est ce service informatique qui gère ça, c'est bon. Ouais, je me doute bien. C'est un peu ennuyé du coup. Mais je vous assure, je m'appelle Jean-Pierre Castaldi. Et comment je comment bah, vous me faites confiance Amel. Parce que c'est pas le choix. Amel. Et comment je fais du coup? Parce que je peux pas vous faire confiance, monsieur. Amel Savi. Et ça avait. Parce que je vends les sextoys. Vous me jugez pour ça? C'est pas non. Cool, hein. Pas pour les sextoys, monsieur, pour la vente illégale. Oh, la vente illégale, là. Ça c'est juste écrit sur un bout de papier. Je vendais des trucs, quoi. Enfin, je veux dire. Mec qui vend des sandwichs à la plage, je suis sûr qu'il il les déclare autant que moi, quoi. Non, non, mais Jean-Pierre Castaldi, vous pouvez noter. Hop, J. Voilà, reprenez votre truc là. Mais déjà, c'est pas vous qui allez me dire ce que je dois faire, monsieur. Et non, mais je vous dis pas ce que déjà, je dois faire. Comment ça se fait que vous n'ayez pas votre carte d'identité sur vous, monsieur? Bah, je vous ai dit, je l'ai perdu, je suis un peu emmerdé, quoi. Et pourquoi vous n'en avez pas racheté une? En plus, c'est génial, c'est juste au-dessus là. Ah merde. On peut en racheter ici. Oui. Putain, vous avez vraiment pensé à tout, vous faites chier. Ah oui, mais je pense même que c'est 100$, monsieur. Si ma mémoire est bonne. Mais j'ai pas 100$, moi. Comment je fais? Eh bah, monsieur, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un emploi. Du coup, il y a eu des changements. Il est revenu à la son, il s'appelle. Ouais. Tout ça. Pôle emploi. Pôle emploi, ouais, c'est ça, ouais. Attends, bah, écoutez, j'irai à Pôle emploi, je vais travailler, puis je vous amène l'argent la prochaine fois, là. Tout ce qui est travaux d'intérêt généraux, ça ne remplace pas intégralement l'amende, hein, c'est seulement de 75% de l'amende, voilà. Ok, d'accord, ouais. Voilà, parce que bon, les gars qui me disent oui, on peut pas payer, on a pas de pognon, alors qu'ils ont une bagnole à je sais pas combien de milliers, là. Ouais. Ça remplacera qu'à 75%, okay. De toute façon, je vais mettre une note de service, hein. Directement ouais. Sur la discussion. Ok, bien prêt, ça me va. Et puis s'ils veulent pas payer, on saisit les bagnoles. Il nous la revendra plus tard. Ouais, carrément. Ah, voilà. Je vais rajouter ça même ça sur le code de... sur les amendes. Petite ligne, inquiète pas. Yes. On peut arrêter là. Ok. Bon, bah, ça du coup, je vais finir avec eux là. J'en ai encore pour une grosse dizaine de minutes. Ok, ok. Même moins. Et puis, ça sera bon. S'il a pas sa carte d'identité. Et qu'il a pas d'argent, c'est toi qui la paye. Hop là, bah du coup j'ai pris la salle à l'arrière hein, pour qu'on soit tranquille. Ouais. J'ai vrai, Russo. Bah c'est vrai. Bon allez, on va repartir. Ah ouais, il s'est fait avoir, tu la payes. Je vais juste te dire une chose avant, si vous me permettez. Vous avez une plaque, vous devez être sûr de vous quand vous parlez à ces gens-là. Oui, parce que là, j'ai des softs, hein, comme le lieutenant m'a demandé. Si tu montres une seule fois que tu es pas rassuré face à eux, ils vont te bouffer. Moi, je veux bien le croire, ouais. Assuré et sûr de toi. Ok, ça marche. T'es la loi, et eux, ils ne la respectent pas. Oh, okay. Du coup, j'ai une question. Ouais. Quand, justement, la personne n'a pas sa carte d'identité ou ne veut pas la montrer, alors, ouais. Comment je peux être sûr pour faire la facture? Alors, tu l'amendes. C'est une infraction de la loi. Ensuite, tu le fais monter à l'accueil, voir Teresa, et il refait sa papier d'identité. Devant toi, et là, il te présente, tu le redescends en cellule, et il te présente ta carte. Et normalement, quand tu le fouilles, du coup, tu vois s'il a une carte d'identité sur lui ou pas. Affirmé. Oui, c'est vrai. Ouais. Et s'il n'a pas l'argent, on avance et on refacture derrière? Alors, par exemple... Je pense que c'est débité de votre compte quand c'est... négatif. Quand vous n'avez pas l'argent. Négatif. C'est des petits problèmes comme ça qu'il y a encore, mais non. Si la personne n'a pas de quoi payer sur elle, mais qu'elle a le montant sur son compte en banque. Prenez la voiture que vous avez pris pour l'intervention. Alors, pour l'intervention, et vous l'emmenez au niveau de la banque avec un coéquipier pour retirer l'argent. Vous l'amendez sur place et vous barrez. Peux voir rapidement là-haut. D'accord. Ouais, j'arrive. Bon, on va retourner au niveau de la salle, parce que j'ai deux, trois trucs encore à vous parler.
au niveau de tout ce qui est comment il s'appelle des plaintes, et après je vais pouvoir vous libérer et repartir en patrouille. Ok, ça vous va? Ok. Allez, on est parti les gars. Je t'attends dans le bureau en bas. Ok, j'arrive. Bah, c'est un peu de bourrage de symbole. Ok, je sais jamais où est le pourcentage. C'est une soirée comme ça, ce sera une fois et c'est jamais. Impeccable. Qui se fait 22h30. Ok, impeccable. Davis, est-ce que Davis est là ce soir? Dans la même. C'est la plaine. La plaine, le maire déjà. Ouais, d'accord. Oh putain, merde, je pensais que ça allait se plus longtemps que ça. Je veux savoir, le contrat avec le SRC, c'est quoi? C'est moi qui dois payer? C'est toi qui paye? Ça se passe comment? Non, c'est moi qui paye. Ok, non, bon, je savais pas du tout parce que bon, c'est un truc encore pareil, on en a pas parlé quand j'ai pris mes fonctions. Tu payes de ton côté et puis tu me feras une facture, enfin tu me diras. Et ok, d'accord. Ça, quand on viendra à la mairie un jour, tu me le rappelleras. Ouais, non, mais je sais pas parce que du coup j'ai pas encore payé là pour cette semaine-ci, non, j'ai pas encore payé. Tout ce qui est contrat avec des entreprises, c'est la mairie qui prend en charge. Ok, d'accord. Bah pour l'instant, à part okay. Ça, c'est tout. Et je vais peut-être revoir pour des primes pour motiver un peu les troupes à venir un peu plus de. Ouais, côté. Ouais, bah écoute, là on a. Là en bas j'ai 5 cadets, ça déjà pas mal. Ouais, là, j'ai vu, il y a les mecs qui s'en occupent à des formations. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les frontières sont ouvertes, donc j'ai pas pris contact avec la monarchie encore, mais ça a l'air de bien se passer. Bah écoute, ouais, nous on a toujours notre poste de garde qui nous alerte, donc ouais, y'a un large qui passe, mais à part ça. T'as vu les nouveaux véhicules des Riots ou pas? Parce que c'est plutôt impressionnant ces merdes. Non, je sais pas du tout, qu'ils ont acheté. C'est des. Attends que je te dise. C'est des Helior 4x4. Helior 4x4. Helion. Des Helion. Des trucs renforcés avec du fer. C'est des espèces de gros 4x4 noirs avec renforcés avec des barres de fer dessus. Je enfin, sais. Des barres de fer, genre des plaques de métal devant les fenêtres. Genre. Ok, d'accord, on peut acheter ça maintenant. Bah je sais pas si oui ou bah, je sais pas où vous l'aurez trouvé sinon mais ouais. C'est bizarre. Ok. Je sais pas si je peux encore t'envoyer une photo ou si c'est les téléphones se sont cassés mais ah ouais non il faut passer par autre chose ça pour les photos. Ah ouais merde ouais, non. Bon, bah tu tomberas dessus je pense tu pourras pas le louper. Ok. C'est espèce de gros 4x4 carré à moitié blindé donc. D'accord bon bah voilà. Ah merci du renseignement. Okay. Ouais pas de soucis. Et puis je t'en dis pour les primes dès que j'ai dessiné un truc. Ouais, ok. De toute façon, moi j'étais aussi en train de regarder dans le dans le coffre pour un peu, mais bon, là, ça. Bah, vu qu'il y avait personne de Coico, l'argent n'est pas rentré donc. Ah, ok.
Ok, d'accord. Ok, ça marche. Impeccable. Ok, bon bah à plus. À plus. Ah là là. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je regarde un truc, c'est ce que c'était rajouté cette personne. Tac 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 tac. Little Seoul, il y a une unité qui s'en sort. On y va. Ah, la une aussi en backup. Ok, bien. Ouais, la une 1 km 2. Emulator 1, on est à 1 km aussi de base. On a deux voitures sur place. On a une grise et une rouge. Une grise qui tourne autour et une rouge qui est garée devant la supérette. Il faut du backup. Hein. Ok, nous on est sur la rue en face de la supérette. Hein. C'est y aller, tranquille. La rouge, on peut plus la rouge. Ok, la Mulator, on est derrière vous. Attention, il y a une grise. Dégagez-moi la véhiculerie, vous me le démontez direct. Ok, on est en approche. Il essaie de nous. On est en approche, on est en approche. Banalisons, on arrive au plus vite. Ah, c'est bon, il s'est planté, il est tombé dans le ravin. Ne tue pas, le support, on s'en bat les couilles de lui. Il s'est planté. C'est bon, parfait, il est tombé dans le ravin. Ça va en monarchie. Hein. De rentrer, s'il vous plaît. Ça va en monarchie. Ouais, vas-y. Monarchie, frontière complètement à l'ouest. On va essayer de voir un petit peu. Pourquoi la voiture n'avance plus? Pourquoi les plafonds à 200, celle-là? La poursuite, non? Banalisé, on a passé la frontière. Est-ce qu'ils vont? Si je peux pas le. Le véhicule gris qui est passé dans le ravin. On les a arrêtés, on va les menoter et on fait un appel de retour. Et après on arrive plus vite, on a besoin d'eux dans le cadre de mon enquête. L'unité qui était du coup sur la grise, elle s'est plantée dans le ravin et du coup on a deux individus qui seraient potentiellement sur la plage, on les retrouve pas pour l'instant. Ils sont menottés, le fin d'appel. J'arrive sur la plage, mon petit. Appel de renfort, il est fait, vous venez sur la position que vous envoyez en monarchie, je vais faire un appel au roi.
Lieutenant Désiré, c'est tous les cadets, l'agent Russo, on est... Et bien cadet plus. Rex, fin de service pendant titulaire, je reviendrai après. Cadet Dem, fin de service. Du coup, lieutenant Désiré, on attend qu'ils aient ramené les suspects au French Dispatch. Ouais, pour l'instant, on en a appelé les héros. Ok, on va venir s'en charger. Pour quelle raison c'est passé chez nous? Ouais, mais on les arrête en monarchie. Quand on arrête quelqu'un en monarchie, on appelle les gros. Tiens, c'est un change de son corps. Leur voiture là. De pain. Ça doit pas être là, je pense, ça plus. Plus long. Ouais, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, arrête parce que j'étais avec un mec. Oui, non, du coup, je te disais qu'on attend le retour des unités pour faire l'ispatch. Tu es au niveau de la plage? Ouais. Tu peux radio? J'ai vu personne sur la plage. Et nouvelle information, on a deux personnes sur la plage en ce moment. Faites-moi un appel de renfort, je viens voir. Ouais, en 6 heures, on a vu aux jumelles en fait. Il y en a un qui est en flip et l'autre en flip. Ouais, voilà. Par contre, depuis quand Stark il suit les lois, lui? De quoi? Depuis quand Stark il suit les lois? Avec la monarchie. Quelle est ta chance comme ça, lui? Parce que bon, à l'époque, la monarchie on passe à coup de fil quand même. Et poursuite, et puis après on ramène jusque chez nous, quoi. On a pas besoin d'attendre que les pimpins ils se déplacent pour constater comme quoi on avait qu'à. Bah, je sais pas. Ok, tu peux venir aussi. Ouais, je sais pas, j'en sais rien du tout. Ouais. Faut dire là, Mister. Ok. Et bon, je retourne sur la plage moi. Là je pourrais. Un loin. Je pense que d'ici 3-4 minutes on sera tous là de toute façon. Ok, bah je te laisse faire l'appel retour. Comme ça aide. Ouais, ouais, bah de toute façon c'est. Ça va être Star qui va nous dire parce que c'est eux qui sont le suspect. Ah, une fois qu'ils seront revenus avec les gros, je sais pas quoi, les gros machins. On verra. Bah sinon ça se passe bien avec les cadets. Tu peux faire le tir du coup en attendant avec les cadets. Si je leur tire là. Ouais carrément. Je vais prendre le panier à salade et... Oui voilà. Bah, pareil, ou alors ils prennent une voiture comme ça au moins si on doit partir en renfort. Ouais bien. Ok je vais faire ça. Ok, impeccable. Bah écoute je finis de regarder sur la plage et puis je vais voir comment ça se passe au centre de tir. Yes, pas de problème. L'un des derniers fléchis aux drapeaux américains, voilà. Ah.
pas du long. Salut PNJ. Salut PNJ. Protège au papier de suspect sur la plage au cas où. Hein. Ah bien pris. J'ai vu aucune bagnole de flic déjà sur la plage. Je demande si on est dans le même monde. Ils sont pas dans un monde parallèle. Stark à toutes les unités, on va retourner sur le territoire américain. Oui, qui est bien pris. Et il part en premier au-dessus. Miller part en premier, je te suis. Bien pris. Je sais pas où ils sont passés les gars. C'est fou. Bizarre comme étrange tout ça encore. On s'est par là. On rentre au poste avec les deux suspects. Ouais, bien pris. Stark, de meilleur, tout va bien. Désiré au radio 5 minutes. Ok pour la une, les deux suspects sur la plage RAS en retour de patrouille. C'est quoi leur identité s'il vous plaît? C'était Crête Rose. Ok bah c'est pas du tout RAS hein. J'ai été vu avec eux il y a pas plus tard qu'il y a 10 minutes. Et tu veux qu'on les appréhende et qu'on les amène? Ouais ça serait pas mal là. Pour quel motif? Bah j'ai été vu avec eux il y a 10 minutes. Ok, d'accord, ben on va les retrouver et ils puis on demande qu'ils viennent avec nous au commissariat. On les a vus ouais, il y a 10 minutes avec eux, ils ont parlé, les deux véhicules étaient ensemble.
plaisir et retour radio. Miller, tu nous rejoins en bas pour l'interrogatoire ? Ouais, j'arrive tout de suite. Ok, suspect en vue, on essaie de négocier avec eux pour les venir à une. Bien pris. J'espère que c'est juste pour poser quelques questions. Kate, tu mets le deuxième dans le salon. J'ai l'air de rouler trop droit comme des cons, non ? Miller de Stark. J'écoute. Un avec Stark les deux et suspects, un avec... Les deux suspects sont dans les interrogatoires, tu peux venir faire commencer les interrogatoires, Miller. Très bien, j'arrive. Bah, je suis. Du coup à tous, il y a deux cadets qui restent en bas pour voir un peu les interrogatoires et le reste des cadets vont monter à l'accueil et en faire un dispatch avec les agents qui restent. C'est reçu ? Tu ouais, peux répéter s'il te plaît ? Non, non, je parle aux cadets. Il y a eu de la fin de service entre temps. Ah, ok, d'accord. Dit. Et à ce, du coup, à ce combien de cadets ? Il y en a deux en bas. Il y a Russo. Attends. Russo, Désiré. À l'écoute. Je t'attends à l'accueil. Ok, je suis à un interrogatoire, je finis et je suis. Ah, okay, bien pris. Ok, oui, ils l'ont foutu avec. Ok, d'accord. Ok. Problème, j'ai l'impression que tout le monde est occupé en bas, quoi. Ouais, non, on va pas non plus laisser 50 personnes en bas, donc. Bah ouais. Ils sont deux, il y en a deux qui s'occupent des interrogatoires pour les deux, puis le reste ils vont partir en patrouille. Hein. Enfin, yes. Pas loup. Mais c'est passé quoi là pour que vous montiez en monarchie là ? Je sais pas, bah braquage supérette et puis après suite jusqu'à là-bas. D'accord. Voilà, bon, j'étais en train de vérifier la plage, voir si personne était en train de. Enfin, mais... Ah, les mecs sont des terres. Mais comme. Pas qui c'est ce truc là-bas. Première fois que je vois se garer ici. Ça. Petite teintée. Okay. Bizarre ça. Le truc là-bas, je sais pas, ça fait un petit moment que les gars là-haut. Ouais. Une voix qui vend. Owens. Voilà, ça c'est. Rivas. Je me rends sur la tête. Ok, partez tous les deux. Ouais, on y part. T'as un véhicule ou pas ? Quelqu'un avec moi ? Avec Owen. J'arrive. Je suis avec vous du coup. Ah, ok. Attends-moi au niveau de l'escalier. Ça bouge un peu. J'attends, on part en fait. Miller de Pico, on a les deux personnes, on arrive. Bien pris, vous les faites attendre quelque part. T'as pas besoin de mettre en cellule, ça passe. Est-ce que vous pouvez réitérer pour les individus ? Tu peux répéter, Miller ? Ouais, alors vous les faites attendre devant, pas besoin de les mettre en salle, enfin en cellule, en salle d'interrogatoire. Ok, bien pris. Bien, j'ai fini l'interrogatoire du deuxième. Et du coup, Miller en radio. Un panneau en moins. Ok, arrête pour l'instant sur le site à part une crosse avec deux rivages dessus. Et bien pris. La une au commissariat à l'arrière du bâtiment.
Il y a Jean-Kevin Kéké, regardez-moi donc ça. Dégueulasse. Kate de Stark. Écoute. C'était dans quel secteur les coups de feu ? Unicorn. Ok, ensuite. Vous êtes sur place ? Oui, mais RL. Bien, ensuite terminé. Ah bonjour. Et bonsoir. Vous devriez parler un peu plus fort. Ah. Capitaine, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. Ah oui, donc du coup, il y a une petite révision à faire, voir un petit peu ça fonctionne. Ouais, ça marche. Sans une crampe. Fais gaffe, j'ai démarré. Hein. C'est toi, c'est toi. Forcherie, bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur Delphar. Comment ça va? Ça va, là, je suis tendu. Ah, tendu? Écoute, Richard, je peux te détendre un petit coup au compresseur, tu vois, c'est. Alors. Ça ira. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Capitaine, est-ce que vous avez vu les infos comme quoi on faisait des formations premier score? J'en ai entendu parler, effectivement. Je sais pas quand c'est ce que c'est. Alors, c'est à vous de vous inscrire. Ah, ok. C'est $300 pour la totalité de vos troupes. Ouais. Vous pouvez le faire en 2-3 fois selon les effectifs que vous avez. Hein, et on se déplace directement dans vos locaux. D'accord, très bien. Je vais essayer de mettre ça en place. Super. Alors, autre chose, je vais être chiant. Il me faudrait la liste à jour de vos employés. Oui, bah alors ça, d'ici 2 semaines, hein, le temps qu'on les a recrutés de. D'accord, super. Ouais, parce que là, c'est on vire en recrute, donc. Nickel, ok, ça marche. D'ici fin du mois, tout à jour pour le mois prochain, quoi. Ok, bah c'est parfait. Ton axe du sliver, ouais. Ouais. Ton axe du sliver, ok. Ouais. C'est ma nouvelle expression à la mode, là. Ouais. Je connaissais étendu comme une crampe ou étendu comme un string, mais. C'est un capitaine! C'est quoi cette merde? Ça peut aller. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi cette merde? Je sais pas trop. Ouais, je vais aller voir ma nouvelle voiture, ça sera pas plus mal, hein. Ah, vous avez acheté quoi? Je suis peut-être un Taurus. Ah, d'accord, ok. Tu fais jouer avec mes gyrophares, je vois. Ouais, il joue avec vos gyrophares. T'as pas pris ton véhicule de capitaine? Disons que il est bien, mais il avance pas, quoi. Ah bah super. Ah, ça roule à 200, ça roule à 200, puis. J'ai tendu, Kimi. Ah non. Ou alors saute. Ouais. Ah. Amélioré. Voilà. Ouais, bah oui. C'est prêt. Ah bah très bien, bah merci, c'est gentil. C'est bien, j'ai payé 50 000 pour que tu utilises pas ton véhicule, c'est cool. Mais si, je l'utilise, hein, quand je viens à la mairie, quand j'ai des rendez-vous compagnie, mais là j'avais besoin de rouler vite et de taper des voitures, quoi. Ok, ça. Ouais, il y a magnifique parbuffle qui sert à ça. Oui. Voilà. Ah bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Attention sur la route, mais pas trop. Utilisez des taxis et compagnie. Au revoir. Bonne soirée. Nickel. Ok, direction professionnelle. Carabine. Il est où le bilan d'essence qui était dedans? Ah non, mais c'est pas ma voiture en fait. Miller de Stark. Un peu mieux comme ça. Miller n'est plus sur la radio, donc je vais pas. Non, il est plus dans la salle, je vois plus. Ah si, pour tourner, t'as le droit. Un petit peu. Ah bah oui, on va. Miller. On se rend sur place. Je suis à 100 mètres. Ok, bien pris, tu veux un backup? Non, ça va aller. Bah alors? Hey, on percute des gens qui roulent tranquillement sur la route? Bah, je vous ai pas percuté. Alors, capitaine? Ah bah écoutez, c'est mes lunettes parce que je vous ai pas touché. Ah ouais. Bah ouais. Voiture, hein. Bah ouais, je la regarde, elle est impeccable. Ah bah ouais, alors, elle est impeccable, la voiture. Ah ouais, bah elle est complètement éclatée. Comment ça range du coup, monsieur Delphin? Ah bah écoutez, voyons voir. Eh bah, vous en devez une, bah voilà. Oui, c'est vrai, effectivement. Tant qu'à faire, hein, voilà. On est bon? Oh oui, écoute. Super, comment ça va sinon? Oh bah ça peut aller. Ça va. Tranquille.
Ici, ça va. Après, à moins que vous préfériez payer la réparation. Hein, mais... Bon, ça me dérange pas non plus, de toute façon. Soit c'est un donné pour un rendu, soit. Ah, vous avez pété ? Miller, retour à deux. Non, ça c'est. Tu sais, moi, genre mode. De, voilà quoi. Mais. Oh, vous avez pas l'air motivé, capitaine. Tu n'as pas l'air motivé. Ouais, non, mais écoute, je. Je suis en pleine lupitation de questionnement, tu vois, mon petit Martin. Martin. Oui. Mais oui, voiture, prenons ça pour réparer la voiture, ça va suffire. Hein. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Mais oui. On n'a pas questionnement sur quoi. J'ai peut-être une idée. Sur les arrières de congé que j'ai liquidé il y a pas longtemps. Ouais. Donc on a envoyé dans tout ça. Amenez-moi les deux guignols là, les deux guignols qu'on a arrêtés sur la cage de cigarette, vous me les mettez. Je me suis permis de regarder un peu comment roulaient vos patrouilles hier et je tiens à féliciter celle que j'ai suivie au nord en termes de code de route pour une fois que c'est bon, faut le dire. Ah bah tant mieux, je vais remonter les oreilles, ça fait 3-4 jours de suite que je fais. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas tout le monde. Mais j'aime bien votre picot là, il est bien. Ouais, il est bon. Oui, faut qu'il. Ouais, fait du bon boulot. Ouais, effectivement. Je me suis fait agresser, j'espère qu'il va aller au bout de l'enquête. Oui, ok. Oui, mais normalement ça va aller aussi, ça. J'ai serré les vis sur ça. Donc... Excellent. Sinon, hein, le Spiro recrute, ça vous dit pas, monsieur Martin? Je vais y aller, hein. Ah, très bien. Mais comment ça va, sinon Je vais faire un bon enquêteur, hein. Comment ça va, Alexa? On parle, ça va. Ouais. Je suis un super enquêteur, j'ai des super photos. Ouais, bah ça, oui, pour l'enquête, oui, effectivement, j'ai pas de soucis pour ça. Ok, ah, d'accord. C'est un boulot aussi. Oui, il faut après. Ah, ça c'est mes collègues. Salut, collègues. D'ailleurs, ils roulent un peu vite, hein, les shafters. Hein. Bon. Bah, non. Bon, après, on a des clients pressés, hein, tout est bien. Oui. Machin, faut amener trucs. Des fois, ils sont un peu chiants. Miller de Stark. J'en ai un qui m'a pointé là. Pour... Tu m'amènes avec Guignol avec qui t'es en train de parler, là, tu m'amènes en bas, s'il te plaît. Ça va, c'est sur Monarchie. Ouais, ok, bien. Il a voulu voler mon taxi, t'inquiète. T'inquiète, on l'arrête pas. Hein. En fait, il arrive, il voulait se battre, donc il était comme ça. J'ai sorti mon arme pour le pointer, pour lui dire bah tu vas perdre ton temps mec. Donc il s'est séparé, puis il est revenu en mode normal, puis il est monté au volant de la voiture, et puis il est barré. Ok. Ah bah, réaction, action-réaction quoi. Ah oui. Apparemment, c'est la monarchie. Hein. Ils l'ont enlevé, ils plus un de moins, de toute façon, on ne pose pas de comptabilité de personne. Ouais. Mais après, c'est un américain quand même que j'ai amené là-bas. Ah ouais, merde, ça c'est. Bon. Il n'avait qu'à pas voler le taxi. Effectivement. Ça se fait pas. Effectivement. Bon, très bien. Je vais aller faire réparer ce bijou que vous m'avez gratiné et puis. Ouais, bah du coup, on va dire. Effectivement. Ouais, bien, à bientôt. Ouais, on arrive là. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y a un pote qui a envie de vous, c'est pas grave, c'est que l'année. Ouais, CRC, Assisium quand même, j'ai eu. Et ouais, non, je suis. Miller, la vitre sans teint, bordel! La vitre sans teint! Ah putain, c'est vrai que vous voulez me parler. Bien. La une, on repart du commissariat et on repart en patrouille avec l'effectif Vente Pastel et Pico.
C'est, putain, j'ai dit, y'a deux cadeaux ensemble. Miller, tu restes avec moi. Après. Miller, tu reviens là où je suis. J'ai plus de Cassandra. Cassandra, viens. Seven, c'est juste pour te caler. Ça. Hey, salut! Hey, salut, Delphar! Si tu veux passer au commissariat, j'ai 5 minutes entre deux interrogatoires. Bon. Ok, bah j'arrive tout de suite. Impeccable, merci. On se verra demain parce que du coup là j'ai je vais voir quelqu'un et puis okay. Après je vais prendre un service. Essayez de prendre vu qu'il y a deux cadets, un agent cadet, un sergent cadet. Si le lieutenant va récupérer un. Paddington, tu prends Wentz, ça te dérange pas? Ce sera plus simple. Tu pars avec lui. Cadet, toi je vais te mettre avec un agent. Il y a Van Pastel encore. Ah, y'a Van Pastel qui est dispo encore. Ah, je crois, ouais. Il était avec toi, Paddington? Il y en aura un, s'il y en a un. Ah non, il est avec Pico. Non, il était avec Pico. Il était avec Pico, mais au pire, je peux l'intégrer. Je peux, ouais, ou tous les trois directement. Et un Pico, agent de Pico, Désiré. Désiré et Pico, transmettez. Du coup, Paddington, on y va? T'es en patrouille, là? Allez, ouais. Affirmatif. C'est parti. Tu peux venir récupérer un cadet, s'il te plaît? Deux secondes, Owens. Ouais, excuse-moi, okay, Ethan. Ça va? Ça va, tranquille. Juste passe-moi ton numéro, on se capte après au pire. Oui, c'est alors bah, donne-moi vite le tien, j'enregistrerai en route. Dis-moi 555. Non, viens pour moi, viens. Vas-y, viens. Dis comment ça se passe, 6 braques de ouf, on laisse tomber. Bonsoir. Attention, je vais te faire des commis de quoi, à tester. Tiens, ça se passe ce soir? Ça va. Ben va de vieux. Bac de recrutement. Ah, c'est bien. Ouais. Il y a Cassandra et puis après on va se coucher, enfin je vais me coucher parce que je commence à être fatigué. Ah là là. Bien. Dis-moi d'où tout. Dis-moi. Alors. Par où commencer? Parce que du coup c'est personnel et pas personnel en même temps ce que je vais te dire. Pas de 3 en patrouille. Alors avec du coup déjà par rapport au Unicorn, par contre ce qu'on s'avait dit, on j'ai toujours pas trop vu de changement. Mais après je sais que du coup c'est en sous-effectif, c'est ça? Oui, là on est en sous-effectif. Bah après on a quelques là depuis ce soir, on a une patrouille qui tourne en constant au niveau du cadre Unicorn, Superette, vêtements et l'autre Superette de Gros Street là, sur les deux Superettes qu'il y a de du coup, où qui tourne en constant dans ces rues là donc ce soir. Parce que oui, c'est passé encore des trucs genre il y a deux jours avec Rousseau quoi. Oui bah déjà ça oui et puis surtout qu'on a pas mal de personnes là, des petits merdeux de cité là qui ta grosse street là qui je pourrais descendre des bagnoles et ils tirent sur des personnes dès qu'il y a un accrochage à un accident. Ah oui mais même là en face du magasin de vêtements, là, les gens qui font des règlements de compte, là. Donc on a une unité qui tourne par là-bas. Mais que là, ouais, du coup, t'es au courant de l'affaire par rapport à Rousseau ou pas, du coup? Ouais, il s'est fait remis un coup de couteau, lui. Ouais. Et du coup, le mec a l'employé qui essaie de le défendre et que du coup, bah, c'est mal passé pour lui, quoi. Ouais. Parce que j'ai pas mis au courant. Juste mis comme quoi il s'était fait agresser Rousseau. En gros, moi j'ai un de mes employés qui essaie de prendre sa défense. Parce qu'il s'est déjà fait poignarder une fois et le mec il voulait encore continuer à le poignarder, tu vois. Ouais. Du coup, mon employé essaie de prendre sa défense et tout. Et du coup, il s'est fait marquer par Rivas et tout. Il y a personne qui a rien fait. Il s'est fait. Il n'y avait pas de flic. Donc voilà. Il s'est pris une balle dans la jambe. Il s'est fait déplier. Et voilà. Oui, de toute façon, il est passé vous déposer plainte, je pense. Oui, c'est fait. Mais comme quoi que là. Moi j'entends de plus en plus que les citoyens veulent faire justice eux-mêmes. Hein. Donc... Oui. C'est ce qu'on m'a rapporté.
Ceux-ci veulent faire justice eux-mêmes, hein. Les portes du commissariat sont grandes ouvertes pour venir recrutement et laminer la gueule de certains restant dans les lois. Mais du coup, voilà. C'est ce que j'entends surtout, beaucoup de retours sur ça, et voilà. Ouais, bah oui. Parce qu'en plus, bon, ça je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais j'ai appris que vous allez reprendre les tasers ou je sais pas quoi. Mais du coup, ça oblige les gens à tirer à balles réelles, donc... Effectivement. Parce qu'après, du coup, on m'a dit, ouais, parce que du coup, c'est le boulot de la police de nous protéger, mais bon, vous êtes pas toujours là. Bah non, bah après, voilà, on est quand même aux États-Unis, donc vous pouvez quand même tirer sur quelqu'un en état de légitime défense. Hein. Ouais, mais du coup, nous, on va avoir des problèmes, alors qu'eux, ils vont pas avoir de problème. Bah non, ce sera en état de légitime défense, tout ça. Voilà, moi, je suis sûr que nous, si on tire sur quelqu'un, on va avoir des problèmes, alors que... On va dire, ouais, on se fait tirer dessus, patati, patata... Alors qu'on faisait rien. Tu sais que s'ils avaient. Oui, aussi, ce qu'il faut. Enfin, si c'est les personnes que je pense qui disent qu'ils font rien, ça m'étonne rien, clairement. On sait ici que si personne n'a voulu les faire, on pouvait rien faire, quoi. Bon, après, généralement, je pense. Apparemment, à part si, si la personne est toute seule, qu'on attire. Toujours 3-4 autour, donc. La une, le cadet qui. Pour l'état légitime défense, on pourrait quand même réussir. Ça passera régulièrement. Reçu, j'y suis. Après, bon, une balle dans la jambe de quelqu'un, ça a jamais tué quelqu'un. Enfin, ça, ouais, c'est après, du gros calibre. Mais... Je sais pas forcément tirer dans la tête non plus. Oui, bah oui. Et oui, du coup, oui, c'était parce que c'était. C'était vu à l'époque. Ça avait été vu à l'époque. Si je me souviens bien, par l'ancien capitaine. Patrouille, on est en. Le maire plus peur quand le pénal était sorti. Pourquoi seul le SMS. On fait les premiers sons. Vous pouvez être équipé de. 16 heures. Je crois qu'ils ont été repris chez eux, je crois. Et voilà, parce que du coup, on a retiré, on a même retiré les tasers à la mairie, on a retiré les tasers. C'est qu'on a vu les tasers. Je sais plus si c'était le RM ou le STS qui avait des tasers aussi, on leur a retiré. Ok, ok. Voilà. Juste pour le fait que du coup, je m'en fous plus en avant, mais du coup, ça a dit. Enfin, les gens ils disent encore plus, bah du coup, on va se défendre nous-mêmes, quoi. Donc, Oui, bah oui, oui. Après. Bon, un merdeur en moins, c'est un merdeur en moins, clairement. Que ce soit nous qui le. Que ce soit nous, un civil. Pfff. Ah, c'est pas. On va courir après la petite bête, hein, savoir pourquoi il a fait ça. Du coup, imaginons, parce que pour dire la scène, du coup, en gros, mon employé, du coup, après, ils l'ont forcé à monter dans une voiture. Est-ce que, par exemple, si tout le monde aurait braqué les. Bah, du coup, c'est les Rivas, personne de nous n'aurait des problèmes. Ah non, vous avez agi en état légitime défense pour empêcher l'enlèvement de quelqu'un. Oui, qui avait pris en plus la défense de Rousseau, qui venait de se faire poignarder. En plus. Voilà, là c'est un double état de légitime défense, et il n'y a rien à voir, hein, clairement. Parce qu'après, imagine, c'est, par contre, après, c'est, on ne sait pas comment ça peut se passer, parce qu'après, si ça part en gunfight et tout, c'est fou. Effectivement, après... Après là, vous êtes toujours en état de légitime défense, hein, s'ils sortent de leur voiture, vous pouvez tirer dessus. On soit mort ou blessé. Ah oui, oui. Après voilà, si c'est des heures où bah, voilà, les services de police sont effectifs. Bah c'était ça. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Effectivement. Il y avait que 5 agents de base et c'était à, je sais pas, 1h du matin. Donc, voilà. Ah oui, oui. Effectivement, on était pas en équipe de nuit, mais. Mais non, oui, non, ça c'est tout à fait légal hein, en état de légitime défense. Une arme à feu, que ce soit juste pour menacer ou tirer quelqu'un ou tirer sur quelqu'un. En Amérique, donc c'est pas ce que je me disais, ce que je dis, c'est bizarre parce que en gros, nous, je t'explique que j'étais dans le bar avec un autre employé à moi et un des rivales qui nous a empêché de sortir. Cool, de moi, sinon, je serais vraiment sorti, j'aurais sorti mon arme. Après, t'es quand même directrice du corps, donc le mec qui t'empêche de sortir, tu. Ouais, mais moi, j'ai pas mon arme sur moi et lui, il a rêvé. Ah oui. Ouais. Donc, mais ça, oui, mais c'est vrai que du coup. Après, je les reproche pas, mais personne n'a osé faire quelque chose. Peut-être qu'ils se sont dit, ouais, on veut pas de problème avec la loi, on veut pas de problème avec les reverses en répercussion, ou des trucs du genre. Ouais, bah ouais. Ouais. Mais oui, non, mais de toute façon, ils sont pas au-dessus de la loi non plus, les reverses. Hein. Ils font une connerie, ils vont prendre, ils prennent à chaque fois, de toute façon, avec cette vitesse, machin. Bord d'une arme et compagnie, donc. C'est donc pas louf. Ok, bah du coup, ouais, j'espère que. Bah là, du coup, les recrutements ça se passe bien et que du coup, pour faire. Plus de patrouille et tout pour nous quoi. Oui mais... Et du coup, je vois un exemple, nous vendredi on va faire un événement, ça serait possible de... Vendredi qui arrive là? Vendredi là, ouais. Oui. Quand ça se passe? Où est-ce que je serai là? Moi je serai pas là, non vendredi je serai pas là. Faut que tu vois que le lieutenant Désiré, tu parles comme quoi il y a l'événement.
avec lui si vous pouvez avoir une patrouille, patrouille en constant. Et puis, vous allez lui mettre en place le dispositif, voir un petit peu les agents qu'il y a et il va un peu gérer ça. Étant donné que je ne serai pas là. Okay, ouais, il faut que tu vois directement avec Désiré et puis Désiré on mettra en place ça directement. Il est là. Je vais voir. Désiré de Delfarge. Bah écoute. Si tu veux à l'heure actuelle. Tu peux répéter s'il te plaît. Ouais, tu te situes où à l'heure actuelle? Cellule. Ah bien pris. Tu pourras remonter à l'accueil avec Sandra qui va falloir qu'elle te parle. Affirmative, j'arrive d'ici 5 minutes après que l'avocat est. Ah bien pris. Un avocat. Eh bien écoute, je te laisse attendre au niveau de l'accueil, il va arriver d'ici 3-4 minutes, le temps qu'il fasse un truc au niveau de la cellule, et puis voilà. Ok, ça marche. Ça, tu vois directement avec lui pour ton événement, voir un petit peu la sécurité qu'il pourra mettre en place. Et ça, on sera impeccable. Ok, bah, ça marche. Ah, très bien, bah, je te raccompagne en bas, et puis. Eh bonsoir Matsan, merci pour ton raid, merci à tous ceux qui follow. Excusez-moi, j'ai un truc d'affiche sur mon deuxième écran, je ne vois pas qui c'est qui follow. Voilà, enfin, je vois qu'il y a des trucs qui blip dans tous les sens, je sais pas si c'est des follow. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, tu m'appelles dès que l'avocat finit. Ok, bien pris. Je vous juste après une fois. On m'a dit qu'il y avait des nouveaux bureaux, c'est où? Des nouveaux bureaux? Ici, non? Ah oui, non, alors oui, le maire m'en a parlé l'autre coup. Ils vont faire une rénovation intérieure du Comico. C'est pour avant, ça va aller quand travaux apparemment commence pas avant la semaine prochaine. Ah ok. Je pense qu'ils vont finir déjà les travaux du LSMS. Enfin ils finissent les travaux de ça et puis après ils commencent chez nous. C'est la chinois travaux je crois qu'ils travaillent donc. Ah d'accord. Ah écoute, c'est pas moi qui fais le nom des entreprises à mon petit. Ouais c'est vrai, bah ça serait sinon. Ouais. Mais très bien, bah écoutez, je joue avec lui. C'est pour un événement qui se prépare vendredi. Voir un peu la sécurité, voir un peu tout ça. Ouais. Je serai pas là vendredi, ouais. Je crois. Je crois que si je me souviens bien de mon planning, je suis pas là. C'est pour okay. Ça, je vais voir directement. Ouais. Hop, ouais. Ok. Cass, est-ce que ça te dérange qu'on voit ça demain, c'est possible? Parce que là, j'ai c'est X terminé rendu. Avec l'avocat et okay. On l'attend. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah écoutez, moi je n'ai rien vu. En fait, de mon côté, j'ai pas touché le véhicule. De mon côté, il y avait de la marge. j'ai pas touché le véhicule. Bien pris, Russo. J'ai failli toucher par contre le véhicule qui était totalement à droite. Celui que j'ai fait, une esquive, il faut l'éviter, mais j'ai pas du tout touché celui de Mad, il était impeccable. Fils ! Ça serait tellement marrant. Le jour où je suis plus le capitaine, hein, si je suis recruté, je suis le fils, évidemment. Bref, Et des 5 MDR, ouais, sacré des 5. Sacré des 5. Alors attendez. Parce que je ne vois pas tout. Yeah. Sergent, on est encore à l'intérieur. Merci à Madsan pour ton raid. Merci à. J'arrive, Russo. Et leur 1, c'est. Ton follow. Merci. Romia pour ton follow. Merci Darkius pour ton follow. Bienvenue à tous, parce que ce qui est marrant, c'est que Watson a fini son stream, mais c'est que moi, j'avais fini mon stream aussi. Parce que demain, je me lève tôt. Très tôt, je travaille sur Paris demain, malheureusement. Voilà. Bienvenue à vous tous. Hein. Si vous avez des questions, allez-y. André. Je connais pas trop. Allez-y, on va aller voir comment ça se passe au niveau des cellules. Ça fait deux personnes, ça fera un petit peu de contenu police quand même. Et là, une formation ammunition avec le cadet terminé. Tu fais la police, la police forme des cadets. Voilà. Se forme des cadets. Essaye de recruter. Essaye de les garder. Essayez de les garder, mais on a eu. Enfin, j'ai eu une discussion avec certaines personnes et je. Un peu mieux maintenant. Tout le monde s'est barré du Lespini, truc.
je sais maintenant pourquoi tout le monde se barre du SPI. Je vais faire en sorte de remédier à ce souci. Je peux. Sinon, comment vous allez tous? J'espère que ça s'est bien passé sur la vie de Matson, hein. J'espère qu'il a encore fait plein de conneries. Un truc bien. Ah bah là c'est problématique pour lui là. Hein. Donc, voilà, bah écoutez, de toute façon, c'est pas vrai qu'il ait fixé le montant de l'amende, j'étais pas sur les lieux. Russo, je te laisse te charger du montant de l'amende. Oui. Pour le monsieur. Parce que c'est bien beau, ça se trouve, faut respecter son compte hein, quand même, parce que ça s'excuse aussi, j'ai pas de quoi payer. Et le mec, en fait, au final, dans son compte en banque, il a 4 fois mon salaire annuel. Oui, donc, c'est sûr. Donc, oui. Monsieur Tolstoï, je vous laisse voir avec lui une fois qu'il y aura le montant de l'amende. Ouais. Essayez de voir par rapport à ça aussi. On fera la technique du j'ai réussi à réduire de double et sinon c'était double. Ouais, si vous voulez. Je vous laisse vous charger de ça avec l'agent. Alors, j'attends ma soumission. J'ai un petit rendez-vous. Je pense que t'es loupé sans le mot. Merci pour Patin, début de patrouille avec état de corps. Juste un petit montant de la mode et ouais, c'est quoi le, dis-moi un petit peu, quelque chose, dire ça de tête. Bah du coup c'est refus d'obtempérer et braquage de supérette. Braquage supérette. Alors, le braquage de supérette, ça doit être 1007 plus tempéré, ça doit être 5. Ouais, ça fait un total de 2900. D'ailleurs, pour les individus en bas, là, vous les avez amendés, dégagés, j'espère. Alors, ils n'ont pas d'argent sur leur compte, ni sur eux. Donc, ouais. Ça va être des trucs. Ni d'argent, vous allez leur faire tomber la pompe de la mairie. Ok, bien pris. D'ailleurs, Stark, pour ça, les trucs, les TIG, ça réduit de 25% le temps de l'amende. Bien reçu. Monsieur, dans le cas, vous leur nom et une fois qu'ils ont fait leurs travaux d'intérêt généraux, vous leur direz le montant qu'il reste à payer. D'ailleurs, l'avocat, la Darinellis, il est encore là ou pas? C'est Monsieur Tolstoï. Qui est très bon. Monsieur Tolstoï, ok, bah il est encore là. Affirmatif, il est avec moi en bas. Ok, bah il y a deux personnes qui aimeraient les voir là, qui arrivent de l'étage du plus 1. Ok, bien pris. Kiko est très bon. Le truc c'est qu'ils m'ont foutu ton... Ah vas-y. Son numéro serait intéressant. D'accord, il est à poil lui. C'est normal qu'il soit à poil le gars? Oui, il est en train de se baigner donc du coup voilà. Ah d'accord, ok. Il sera dans la rue, vous l'amenderez pour exhibition au public. Monsieur Tolstoï, il est où? Sûrement cellule. Ok. Le mec il est en train de se baigner, il a été ramené, on le fout dehors. Ah, bah exhibition sur le public monsieur, allez ça sera 800$, poum. Bien. Écoutez du coup. Merci Amaton pour ton raid. Je suis désolé que ça se finisse plus tôt pour vous. Hein, 5 minutes dans ma live. Et voilà, écoutez, je ne vais pas faire de raid à droite à gauche, hein. Je vous laisse divaguer à vos passions. Merci pour les. Merci pour tous les follow qu'il y a eu hier. Merci à vous. On a atteint maintenant, du coup. Atteint les combien? Attendez. On a atteint grâce. Atteint les. Bon. Le truc est cassé. Est cassé. Normalement ça doit être 224 follow, donc merci à vous. Merci à tous. Bonne nuit tout le monde. Vive le fils, vive l'indépendance, vive ma M4 dans ma main, évidemment. Attendez. Voilà. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis pour ceux qui y veulent, hein, demain je serai sûrement là. Donc voilà, les rediffs sont sur ma chaîne YouTube, hein, point d'interrogation YouTube. Point d'interrogation YouTube. Qui veut accéder à la chaîne YouTube et voir toutes les rediffs du lieutenant capitaine Delpange. Et puis Walou. Et puis bonne nuit à tous et bonne soirée. Allez, à plus.